Calling you in a surgeon, a mystery, standing on my feet. So trying and trying to keep. Wow, déjà vu. I just been on this place before, hiding on the street. In a surprise and I try to keep. Ah, ça y est! Ça y est! Attends, je peux la refaire version un peu plus. Comment il s'appelle? Je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon. Version un peu Rasputin. Et salut Arthur! Et coucou mon amant! Vous allez bien tous les deux? La forme? Ça va faire 10 minutes que j'ai lancé le stream. Et. En fait, je me suis rendu compte que. En fait, au bout de 10 minutes, je fais. C'est étrange. J'étais là en train de me dire, mais ça se trouve, en fait, à chaque fois, je vérifie que le stream soit bien lancé. Et en fait, en l'occurrence, il ne l'était pas. Donc en fait, ça faisait 10 minutes que je parlais tout seul, comme un gros con, mais bon. Y a des protos? Sais que je pourrais faire une soirée à tester les jeux de It's Playtime. Et regarder le tien pour le schnapps final. Le grand coup de. Bon, bien sûr. Ouais? Qu'est-ce que tu racontes de beau, Arthur, au fait, ça va? L'énergie de mes cordes vocales. Ça va, j'ai prévu de la substance. J'ai prévu de la gelée. Bah, mine de rien, c'est des protos qui sont accessibles par tout le monde, non? Donc, je peux dire les protos qui sont enfin, assez intéressants et d'autres qui ne le sont pas. Quelque part, c'est possible! Enfin, je pense. Faudrait que je vois. Donc ouais, comme j'expliquais, je pense que je vais essayer d'au moins avoir un Pokémon avec une grosse évolution. Une évolution. C'est ma stock, pardon. Les problèmes à en extraire. Ah merde. Ça craint. Mais ouais, t'as toujours pas fait ton approche alors, Arthur? T'aurais dû. T'aurais dû, mon tout petit ami. Faut y aller. Faut y aller au cuc. Regarde la chérie chérie comment elle a fait. Elle y allait au cuc en me disant des choses et. Et moi je suis tombé red dingue de cette fille. Elle m'a rendu dingue 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 avec son boum boum short. Voire plus pour les tricheurs. Des tricheurs! Eh bah tu fonces, vieux. Tu fonces, t'essaies de la revoir pendant les vacances. Eh oui! T'essaies de lui montrer que t'es un homme. Un vrai. Real man. Now you're a man! Man, man, man. Monsieur Alit, Pokémon vous a appelé. Ah, mais c'est toujours mieux le contact. Le contact humain. T'sais, tu vois là, tu touches à la barbaque, on y va, tu claques les fesses! Pardon. Madame Coco, bien bonjour. T'as Madame Coco? T'as Huitman? T'as Huitman? Ok. Alors. Je voulais faire évoluer le Dogulator, c'était 35, 38, je sais plus. Version Palpapline. Palpapine. Hey! Et moi, je compte pas du beurre, pas à peine de m'ignorer. Où donc se cache ce sale? Boum. Oh. Bon, pourquoi pas, Arthur, tu lui proposes? Tu parles d'une pétarade. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, il a une voix russe. Ce que j'ai fait, techniquement, ce n'était pas moi. Le paquet que j'ai reçu, vous voyez, c'était une bombe. La bombe Galaxy. Moi, je n'ai fait qu'obéir aux ordres et appuyer sur le bouton. Comme ça, bing. Moi, j'y pense de faire un rapport pour les résultats du test. La pluche, au fait, le maboule, ton masque est ridicule. Le grand marais est un bien inestimable. Vous deux, bougez pas de là et ne laissez personne entrer. S'il reste quoi que ce soit de cette bombe, on s'expose à de gros ennuis. Et ok, ça, pour ce type de Team Galaxy, moi je reste ici comme adieu maître, pas empêcher les autres de rentrer. Laisse pas filer ce voyou. Ok. Ah ah, je vais le rattraper. Oh.
Oh, c'est mignon ça, un chaton de... Et ils l'ont nommé comment, Madame Coco? C'est super mignon. Ouais, donc c'est pour ça, Arthur, fonce. Ouais, j'avoue, ouais, fais gaffe à ton boulot, ouais. Ah, t'as un sacré pot de colle. J'ai pas envie de te pulvériser avec mon Pokémon. Je dois gagner le lac aussi vite que possible. Allez, ciao. C'est clair, arrête de me filtrer. Viens par là, petite salope. Je vais t'enculer de ta race. Je vais t'enculer. Nous avons besoin de l'énergie des éoliennes pour réussir. Ça, un génie scientifique pourrait y parvenir. Par conséquent, notre chef est un génie scientifique. Ce cul de fasciste déterminé. Tu m'espionnais. Je pensais à voix haute. C'est tout. Le 15 juin 19 juin. D'accord, une carte au trésor, eh bien... T'es quoi comme jeu, Litz? C'était quoi? Mais je vais pas gaspiller mon énergie à te botter les fesses. Mais FDP, reviens. Les Pokémon ne m'arrêteront pas. Je niquerai ta race. Enculé de ta race! Stoppons les duels inoffensifs. Praline. Oh, c'est mignon. Oh, c'est bon, Galaxy déménage sérieusement. Avec ses petits bijoux, rien ne peut nous résister. Je me demande ce qu'il compte en faire. Oh, je me demande ce que Ganon peut faire. Version conquête de Fire Emblem? Ah, ok. Version... Au-dessus, c'est le soleil. Ah ouais, carrément? Putain. Tu m'espionnais à voix haute, Tu m'espionnais, je pensais à voix haute, c'est tout. T'es vraiment un pot de colle, j'en ai marre de chercher à m'enfuir. Je vais pas gaspiller mon énergie à te botter les fesses. Ah. Bonjour, camarade. Le mec, attends, il dit camarade. Direct. Je m'inquiète au sujet de la cargaison de la Team Galaxy. Une bombe, dis-tu? Il y a eu explosion? Au grand marais? Qui plus est, tu es aux trousses d'un type louche avec une coupe au bol. Le tout emballé dans un uniforme extravagant. En d'autres termes, c'est encore la galaxie qui fait des siennes. Crotte, zut, flûte, nique ta mère. Comment ai-je pu manquer ça? Belladonis, tu as fait la bourde de ta vie. L'individu que j'ai vu fuir, c'est lui qui détenait la bombe. Ça ne peut pas se passer comme ça. Attends-moi, attends que je te dis. Oh putain, j'imagine. Les vétérans, les gros... Ah, c'est une femelle. C'est une femelle. Ah, te voilà, camarade. Oui, je séjourne dans cet hôtel. J'interroge les clients pour voir s'ils ont aperçu qui que ce soit de suspect. J'ai besoin de ton aide pour mener la quête dans les parages. Si tu veux bien. Qui sait, le suspect a peut-être déjà filé à notre insu. Ben, on va fuir. Fuyons un peu. Non. Est-ce que vous avez vu un mec bizarre? Ok. Salut Fox, ça va Fox, tu vas bien? Moi je suis, ça va. Non, lui c'est le créateur du jeu. Avec sa petite piscine, voilà, on se met à l'aise. T'as vu? T'es peut-être parti prendre un verre, je ne sais pas. Bah, c'est surtout des gens qui doivent doser le jeu et connaître par cœur les événements qui se passent, non? Ouais. Pourquoi je cours comme ça au juste? Ce nouveau monde dont parlait le chef, ça me donne le vertige rien que d'y penser. Y'a qu'on se sert de ça? Eh, tu m'espionnais, je peux aller tout seul. T'es plutôt tenace, toi. Je suis exténué à force de courir. Mais je vais pas me battre contre toi. Mais viens par là que je te nique ta mère! Salope! Ah, mais c'est pas vrai, t'as encore mes trousses. Le lac est en vue. Tu ne me laisses pas le choix. Mon Pokémon te mettra coup. S'il me sort un Magikarp, je crie. Miaouz. Mon Pokémon va niquer ta mère. Merde. Face au Dugulator, aucun Pokémon n'est assez fort. Octozuka. Aïe. Non, oui. J'ai envie de dire... Nique ta mère. Nique ta mère. Octozuka, ok, très bien. Touche! Oh!
De Gator. Évolution. Vous avez battu Joe Galaxy. Si j'avais pas couru, j'aurais pu me mettre mieux. Bah, mine de rien, le Fire Emblem, en fait, j'ai l'impression que si tu connais bien le jeu, tu peux prévoir certains paramètres, en fait. Certains événements qui arrivent, tu sais, genre t'es en pleine baston, puis d'un coup t'as un Pierre Paul ou Jacques qui se pointe, tu vois, donc bon. Ah, ok. Donc c'est vachement plus Nuzlocke, comme on dit. Ok. Je peux plus me battre, je suis au bout du rouleau. Je dois remettre ceci au commandant. J'ai voulu pouvoir l'utiliser au lac. Est-ce qu'il tombe? Non. Ah. Hein? Ah bonjour, ça fait une paye. Comment se porte ta Pokédex? Je suis venu étudier les mythes du lac, mais on dirait qu'il est interdit au public pour le moment. Tu as entendu parler des mythes à propos du lac? Il paraît qu'il héberge une île, et que cette île contient le mirage d'un Pokémon. Il ne doit pénétrer dans le cul de ce Pokémon. Oh, j'y pense, il y a autre chose dont je voulais te parler. Et ok, ça a eu passé ce voyou de la team Taxir. Eh, tu m'avais caché que tu avais une grande sœur. Non, c'est pas ta grande sœur. Ah bon, d'accord. En fait, l'explosion de la grande marée, oh, rien de grave. C'est monsieur Clovis qui m'a dit de te le dire. Ma team Galaxy a pété un peu ou quoi? La prochaine fois, je réserve les chiens de mes chiens, hein. Tu veux quoi? Y'a plus. Ok. C'est ton ami? Charoté comme il est, nous non plus, il ne va pas tarder à péter les plombs. Pour revenir à nos moutons, tu as vu le groupe de psychoquacks sur la route 210? Oui. Oui, c'est ça, près du café. En mode, tu as vu le groupe de psychoquacks? Oui. Oui, je m'en branle, mais... Ah putain. Ah ouais, à ce point-là, Alice, putain. C'est chaud, quand même. T'imagines réellement que c'est... Ce style de jeu, tu vois, ça te fait juste crier, parce que c'est un peu comme... Final Fantasy Type 0. Ouais, c'est ça, Final Fantasy Type 0. Final Fantasy Type 0, j'y avais joué un peu sur PS... Sur PSP, comme dirait l'autre. Et en fait, tu fais les missions, vite faf, tout ça. Et en fait, tu te rends compte que, ben... Comment dire... Bah mine de rien, si tu prends les mauvais personnages au mauvais moment, bah tu te fais décimer ton anus. Et ça fait tellement mal que t'es là en mode aïe. Et c'est drôle. Ah ouais, mais il y a de quoi, hein, il y a de quoi, dites. Mine de rien, c'est un jeu vachement hardcore, c'est un jeu qui était purement charponné. Salut Polo. T'as Polo, tu vas bien? La forme Polo. N'empêche, j'adore comment elle te casse, la meuf. C'est un grand rassemblement de psychoquacks, ils ont la tête dans mon cul. Enfin bref, tu devrais utiliser ce médicament sur les psychoquacks. Ça pourrait être utile puisque tu travailles sur un Pokédex. La potion secrète. Ouais. Dans ma jeunesse, je suis parti à l'aventure avec un Pokédex. J'espère que tu auras la chance de voir tous les Pokémon jusqu'au dernier. Cela te permettra peut-être de percer le secret du Pokémon Mirage. À une prochaine. À une prochaine, ouais, j'ai envie de te dire. Commence, salope. Ma vie sur ton petit cul de pute. Yuza est passé à Paris, what? Yuza. Je sais pas du tout c'est qui Yuza. C'est un type du groupe des Gikotaku? Le Pokémon du lac refuse de se montrer en présence d'humains, c'est pour ça qu'on se cache ici. On raconte qu'un Pokémon légendaire vit dans ce lac, je veux le filmer, mais je l'ai fait comme j'avais fait avec le vêtement rouge du lac colère. Monsieur Aizen, ça va Aizen Uchen, tu vas bien? Ah, un de tes collègues de Toulouse, d'accord, je connais pas. Dans le Rhinotobe, je l'encule, tu vois. Ah, ouais. Hydrocanon, tiens, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Oui, oui. Oh, un malos. Y'a comme un malaise, lol. Tiens, ferme ta gueule. Voilà, des bisous, ciao ciao. En fait, le Dogolator, mine de rien, il manque plus qu'il soit d'une forme. Enfin, on va dire. Au-dessus, on va dire. Attends. Mais qu'est-ce que je me casse le cul?
Le Garhol peut voler. Ma bite sur ton petit... ton joli petit cul. Non, moi ça va. Un peu fatigué, j'avouerai, mais sinon ça va. Le boulot, ça va. Ça se passe pseudo bien. Ça va. Oui. Je vous encule. Ma bite sur le gazon. Les psychocoques tiennent bon. Ils n'ont pas l'intention de bouger d'un pouce. Avez-vous l'intention d'utiliser la potion secret? Oui. Les psychocoques ont l'air d'être guéris de leur migraine chronique. Ouais. Justement, vous vous cassez, bande de fils de pute. Non, putain, mais... Mais oui, mais c'est ça. Il me reste 3 badges à avoir. 3 putains de badges. La fin est proche. La forme alors pour toi, Aizen, ça avance ou pas? J'en ai 5 là pour l'instant, Lit. Oh, excellent. Tu as utilisé la potion secrète que je t'ai donnée. Les psychoquacks sont connus pour souffrir de maux de tête chroniques. Mais personne ne sait ce qui provoque ces migraines. Ah, j'oubliais, je peux te demander un énorme service. Demande, j'espère qu'il y aura ta chatte dans l'eau. Oui. Je voudrais que tu livres ce vieux gris-gris à ma mamie, à Celestia. Putain, mais tu m'emmerdes, connasse. Je sais qu'il y a des Pokémon rares sur la route qui mène à Celestia, le voyage te sera profitable. Oui. Elle a bouton vieux gris-gris, salope. Ma mamie a un caractère bien trempé, tu vas voir. Je pense que tu reconnaîtras au premier coup d'œil. Oui, ça ne fait aucun doute. C'est la doyenne de Celestia. Quant à l'emplacement, regarde ta carte si tu ne peux pas le louper. Très bien, je compte sur toi une prochaine fois. Putain, mais la gonzesse, elle se téléporte d'un endroit à un autre, tu vois. Puis d'un coup, d'un seul, elle fait « Ah non, j'ai pas envie. » Ah, flûte, alors je vais lui demander parce que ça a l'air d'être un gros pigeon. Ok. Oh. Un Goinfrex. Il y a un concert Pokémon en octobre. Nice. Genre, quoi comme type de concert, ma puce? Tiens, pense ça dans ta gueule, pouffeur de bite. Oh putain, la vache, sac à PV. Oh. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Aizen? Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Raconte-moi tout. Ah, Pokémon Evolution. D'accord. Viens là, bouffeur de tub. Ah, ta mère la chauve. Salope. Malheureusement, le Dugulator refuse d'évoluer. Son état stagnant le force à rester comme il est. Honte de choc. Mais tu vas te pointer, nom d'une chaussette à gun? Ta mère! Ah nice! Ça a l'air stylé! Ça a l'air stylé ma puce! T'es chaud d'y aller? Goinfrex! Goinfrex! Pokémon Goinfre! Indubilé par sa quête incessante de nourriture, il oublie parfois qu'il en a caché dans sa fourrure! Oh, ça rime! Des mamans chauves, c'est cool! ta mère la pute chauve! Alors comment est-ce que vous voulez que j'appelle ce monstre des glaces? Pardon. Gradubide, mais non. Faut trouver des... Gradub. Goptou. Goptub. Ça me va très bien, le Goptub. Goptub, ma gueule. En plus, c'est un bon gars. Le Gobtub. Moi j'aime bien. Le Gobtuba. Le Gobtub. Parfait, c'est un bon bouffeur de bita. Un bon gros bouffeur de tub. Oh, oh what? On a fait partie du trio ninja quand on me débosse que je combat. À 20h, ok. Ninja fan Joey. Ah, c'est Naruto. Coxy. Ça fait ninja. Pourquoi pas? Ça fait ninja, mais je veux lui démonter sa gueule. 49 euros. Colère. Je suis pas content. Ok, nique ta mère. Oh mais non. Oui, j'allais dire touche.
Tu peux m'en parler à Izanuchan, hein, tu sais bien que je suis de bonne oreille. Allez, évolue de Gonator, un Fampi. Ah! Non, pas le Fampi. Et Mascula. Salut Vinouche. Vinouche. Ton pseudo me dit rien, donc je pense que tu es nouveau. Bah bienvenue à toi, monsieur Vivi. Ou madame Vivi, je sais pas. Bah bienvenue à toi. Danse, fleur. Ah, je suis basculé. Non. Putain, la vache. Oh, putain, la vache. Camouflage. Camouflage caméléon. Fais pas planter la run. Très bien. 80 balles, d'accord. C'est pas très efficace, mais je l'ai enculé. Oulala, j'ai évolué. Oulala, oulala. Ma danse fleur a fait des miracles. Faudra voir ma puce. Faudra voir si, comment ma situation a évolué. Faudra voir comment la tienne sera. Ça se trouve qu'on pourra pas, mais bon. Ouais, oh, j'en ai déjà un. Défonçons-lui l'arrêt. Madame Cora, bien le bonsoir. T'as Cora, tu vas bien? Hydrocanon. En tout cas, ouais, bienvenue à toi, Vinouche. Bienvenue à toi. J'espère que le stream te plaira. T'as madame... madame... Cora... Pardon. Le cri du hoot-hoot, à chaque fois, j'ai l'impression d'entendre une moissonneuse batteuse. Mais nique ta mère! Pardon. Oh. Bah. Oh mon dieu! Un arabe! Pardon. Pardon, c'est complètement raciste. Eh, de toute façon, les arabes, il faut les virer à coups de karcher! Pardon. Pardon, je suis désolé. Je suis désolé. Vraiment. Ah, c'est Vinou. Ah. Ah. Pardon, c'était une blague. Un tesson bleu. Putain, mais ta race. Eh bien, bonjour, le chéri de Madame Cora. Ma coucou à toi. Bah bienvenue, hein. Tu verras qu'ici on se marre bien, on dit de la merde mais c'est drôle. Je viens de comparer un arabe quand même à un singe, je suis désolé, vraiment. Je suis pas raciste. Désolé. Ah, oui, je m'en veux. Tu as vu des fatwas? Des fatwas. C'est quoi un fatwas? C'est quoi, hein? Tu vas penser à simulacre. Simularbre. Fuck. Bon. Il me semble que c'est de la roche. Donc il me semble que le feu lui fait pas forcément très mal. Voilà, parfait. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est ça sur YouTube. Il baisse la tête, très bien. Monsieur Van Brock, bel bonsoir. T'as Van Brock? T'as bien Van Brock, Kamin? Zlé! Allez, viens par là, toi. Allez, bien. Oui! On est bon, on est bon! Go m'instruire. Oh! Je sais pas c'est quoi un fatwa. Un fatwa? Un fatwa? Un fatwa? C'est con, je sais pas du tout. Simularbre, Pokémon imitation. Il prend l'apparence d'un arbre pour éviter les attaques, mais il déteste l'eau et fuit la pluie. Mais ça va toi, Van Brock, tu vas bien? Ouais, je sais pas du tout c'est quoi un fatwa en fait. C'est comme les gens d'ici ne savent pas. Quand je dis, ouais, il fait taquer de chaud ici. Les gens ils me disent taquer, mais c'est une expression du soud. Ah. Te bafeuille. Boba feuille, te bab. Très bien.
Présente-toi un peu alors, monsieur Vivi. C'est vrai qu'on connaît ta femme, on connaît tes enfants, mais on sait pas du tout ce que tu fais dans la vie ou quoi, monsieur Vivi. Informe. Chut, chut. Je couperai ce moment dégueulasse. Teub à feuille. Teub à feuille. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, c'était dur quand même. Merci, Polo. Ah, c'est un terme arabe. Un avis juridique donné par un spécialiste de loi islamique sur une question particulière. En règle générale, une fatwa a été mise à la demande d'un individu ou d'un juge pour régler un problème où la jurisprudence islamique n'est pas claire. Ah ! Non, pas de soucis, t'inquiète. You better be. Widard. Snoop Doggy. T'as un bac pro compta et tu fais préparateur de commandes. D'accord. Bah mais non, tu gères l'argent quelque part. C'est pratique. Non mais bah, si ton boulot te plaît après ça va. Moi c'est cool. T'as un tube à aller. T'as le même âge que moi. Ok. Ça te demande pas un lien. Ouais j'avoue. J'avoue. J'avoue, jurisprudence. Appelons le syndicat. Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? On va l'appeler. Simulabit. Simulabit. Qu'on les coupe la tête. Non, quand même. Ah, t'es payé à ce que tu fais? D'accord, ok. Ouais, c'est sûr que ça motive plus qu'autre chose, ouais. Si tu bosses bien, t'as plus de thunes, ouais. Ouais, y'a pas de soucis, Polo, t'inquiète. C'est sûr qu'après, quand tu vois un lien comme ça, mine de rien, y'a le message d'avertissement qui vient de suite, tu vois. C'est pour ça. Oui, t'inquiète, y'a pas de soucis. Je l'ai pas mal pris, t'inquiète, Polo. Mais c'est vrai que c'était un peu méchant. T'inquiète. On l'utilisait tellement avec la chérie pour un moment donné. Je peux l'appeler Widabit. Eh ouais, Widabit, ça me fait penser au Witabix. Feuille lubrifiante. On va l'appeler Witabit. C'est une marque de céréales, le Witabix. Et le Witabit, c'est pour les enfants, tu rajoutes du lait, hop, il bouge. Très bien. Ok, très bien, vous pouvez m'insulter. J'ai fait partie des trios ninja quand on me débosse que j'ai combat. Naruto, ninja fan Jasmine, c'est un garçon, hein. Très bien. Un Goopix. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Goopix? On dirait que tu te fais enculer, c'est pour ça que t'es en train de bouffer le sol. Mon dieu. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais, mon dieu. Sortez, sortez cet esprit furie du jeu. C'est... On dirait qu'il bouffe au sol, tu sais. Le mec il a tellement culé que... Ouais, ça protège toi, t'inquiète. Oh Seigneur Dieu. Je lui méfie bien sa protection. Oh mon Dieu, c'est dégueulasse. Évolution du Dugulator. Un photominus. Pourquoi pas? Ouais, j'ai l'impression que ça va rouler 64, ouais. Mais, ouais, à la limite, si vous voulez des termes, des thèmes... Regard noir. Je ne peux pas en aller. Il me regarde. Laisse-toi faire, Goopix. Eh bien. Eh bien. Viens là, Goopix. Tu comprends pourquoi on va pas le Dugulator? Mais non, mais sérieusement, chérie. Je sais pas. C'est... Non, mais je suis devant. T'as dit que j'étais dégueulasse. Gros 64. Oh, 34, 64, ça.
Un fossile racine. Non. Non, heureusement. T'es nul. Ouais, tu veux pas que je descende. Ouais. Fossile d'un ancien Pokémon aquatique, on dirait un morceau de racine de plante. Fossile griffe, fossile racine. On s'en branle, on les trouve dans la nature. C'est le Gender Bender, ouais. Enfin, le fait de changer de sexe. Mais pour parler de l'euro, chérie, l'euro, je m'en bats tellement les couilles qu'au boulot, quand ils en parlent, je fais ah, et tu vas te boire une bière, demander à ta femme de te rapporter les chaussons alors que t'as les pieds sur le bureau, c'est ça, non? Je me fous de leur gueule, mais bon. Tiens, vas-y, patiente ça. Putain, la vache, je suis au taquet d'XP. Bon, débusquons le troisième ninja. Un Orfang. Oh putain, mais mon dieu. Mais vu de face, il fait tellement dégueulasse. Je suis désolé, mais le Orfang comme ça, il fait... Genre, depuis quand t'as Boubombe? Ah bah oui, j'ai eu Boubombe. J'ai peur. J'ai que le feu, il me semble. Ah mon dieu, le Dugolator est pris au piège. Non. Je préfère le franc. Mon dieu. Ah mais... Ça c'est clair. Ça c'est clair, Lit. C'est un truc de fou. Bon bah, au long du temps... Hein. Luminocanon. Ouais, fais-moi mal. Tiens, attends, ça va ta gueule. Voilà. Ça paraisse. Il est vivant! Il a détruit un mob qui lui a défoncé! Il a bouffé KFC, mec! Mais c'est complètement ça, bébé! Mais oui, c'est exactement ça, Vivi! Mais comment tu l'as trouvé? Toi aussi, tu fais partie des ninjas? Putain, j'espère pour toi, Lit. Oh, renseigne-toi bien avant d'y aller, quoi. Un muscle est bué. Le vent break évolué. Ouais, c'est ça, foulue les boules. Montre-lui le pouvoir. Mais finalement, je vais prendre le Godmichou. Enfin, surveillant de pensionnat quand même. J'imagine trop le gars comme ça en mode... Faut niquer ta gueule. Gaz toxique. Voilà, maintenant tu es empoisonné. Maintenant, je vais t'exploser ta gueule. Petit vampire point. Merci. Et ciao. Des bisous, une bonne journée. Je ne mets ma défaite. Les dresseurs chic pour fouiller dans tous les recoins. C'est vrai. C'est... Ah non, d'accord. Oh, faut pas dire ça comme ça, Vivi. Madame Cora, elle bouge, Souken. C'est vrai ça, tu vas où, Madame Cora? Fuite impossible. Et ta mère aussi, la fuite impossible? Pardon. Oui. Je veux soigner mes Pokémon. Me faites pas chier, mon fils de pute. Oui, soigner. Mais oui, que tu soignes les Pokémon. Ah. Une douzaine. Ouais, j'obtiens du lait meumeu. Ouais, je me demande bien d'où est-ce qu'il vient, ce lait. Pardon. Une douzaine, ouais, c'est 12. Mon pénis est gros, il te la met dans le cul. Ah, ça régénère ça. Pas PV. Ah. Ah. Ah, des fuites impossibles, tu sais. Putain. C'est vrai que tu nous en avais parlé, Madame Cora. C'est vrai, je me rappelle. Salut, Mysticadin. Aïe. Bienvenue à toi, Mysticadin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Ah. En se baladant dans les hautes herbes, un Alakazam apparaît. L'Alakazam voulu capture le... Ouais, je vais essayer. Mais oui, complètement au pif. Photocopie. Spatio Rift. Allez, c'est la fête. Mais oui. Fais-moi mal. Oh! Oh! Get over here, bitch! Ah! Mais c'est ça, Van Broek! T'imagines, le mec, il est parti juste tisser, quoi! Et tranquille, t'as un gars qui fait « Ah ah !» C'est le mec comme ça « Ah ah !» Ok, combat! Il est en train de manger un dessert et il faisait « Donnez-moi vos crèmes à guindage, bande de fils de pute !» Namalva, bonsoir. Tom Namalva, tu vas bien? Paytaloc EX, mais oui. C'est un signe. Ah là, il va faire du sport. Come on. Oui. Ah, mais de rien, Madame Cora. Mais de rien, bah c'est normal, tu m'as dit que tu faisais des streams et quand il y a des gens qui viennent assez souvent, des gens du chat qui me disent qu'ils font des streams, la plupart du temps, je fous le direct. Hein. Comme Ombrock, Litz, ou je sais même pas qui, Polo, ou je sais pas, ma chérie qui fait des streams, tu sais, je prends des exemples à la con. Mais je sais que quand Pradus me disait qu'il commençait à faire des streams, je l'ai même host et tout. Hein. Donc bon, c'est pour ça, je suis bien motivé. Mais ça va, Madame Alva, ça va. Je vais bien. On rencontre des Pokémon un peu chelous, c'est drôle. En tout cas, bienvenue à toi, Mysticadine. Bienvenue à toi. D'ailleurs, c'est un ou une, je sais pas. Mais j'espère que le stream te plaira. C'est très cool. Tu streams? Je ne savais même pas. Regarde, tu vas avoir un follow. Je savais même pas. Alors, Alakazam, Pokémon Psy. On dit que l'équivalent qui tient en permanence aurait été créé par la puissance de son esprit. Quoi? C'est Néo, c'est l'élu. Est-ce que c'est une fille? Ah non. De quoi, je t'ai follow, non? Mais non, je t'ai même pas follow. Ah oh. Des bisous, Madame Cora. Profite bien de the Wisher. The Wish. Profite bien de The Wish Lorraine, hein. Amuse-toi bien. Bah, dès que t'as envie, ma puce, c'est pour ça. Je suis ton 400ème. Merci. C'est gentil. 400 sur 400. Est-ce que j'ai droit à un cadeau? Est-ce que j'ai droit à un cadeau? Parce que je suis 400... J'ai droit à un cadeau. Allez, un cadeau. Des cadeaux. Des cadeaux. Des cadeaux. Pardon. Bah, il faut un nom pour Néo, là. Alakakazam. C'est vrai qu'à part m'envoyer des spatioristes dans la gueule... Buveur de blanc. Tu peux dire buveur de sperme aussi, Arthur, y a pas de souci. Buveur de vin blanc. Buveur de schneck. Pardon. Non, fais-la pas trop tourner quand même. Non, mais y a pas de souci, elle va attaquer. C'est pour faire mon gamin, c'est un peu capricieux. En mode. Non! Non! M'en fous! Non! Mon cadeau! Buveur de foutre. Bonjour monsieur, bienvenue dans mon magasin. Bah merci du follow, Mysticadine. Mais n'hésitez pas à me filer des surnoms pour les Pokémon, hein. Le pisseur machanceux. Le Pikazam. Ça fait Pikachu, mais version Alakazam. Le Pikazam. Franchement, le coup du Alakazam qui est parti pisser. Puis t'as quand même un mec qui fait « Oh !» De quel liquide blanc, dis donc? Le Pikazam. Franchement, Pikazam, ça fait double jeu de mots. J'aime. Il y a du travail. On sent que...
J'ai dit merci du follow. Ouais. Merci du follow, Mystic Anine. Mais n'hésitez pas à parler, hein, les petits nouveaux, quoi. Hein, le Pissazam. Ah. Je reste sur mon Pikazam. Je reste sur mon Pikazam. Franchement, j'aime. J'aime. Je m'en rappellerai tous les jours. Quand je le rencontrerai dans la boîte, et que je le verrai en train de tenir une CT du genre maître-du-monde.exe. Oh bon, mais ce poulet, t'as l'impression, tu sais, qu'il est en mode... On dirait qu'il est en train de chier, tu sais. Regardez, il a un air vide. On dirait qu'il se rappelle le Vietnam. Tu sais, il est comme ça. Attaque communiste, mur de fer. Le mur de fer. C'était quoi ça, le mur de fer? Par la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un truc qui s'appelait comme ça, le mur de fer. Je m'en rappelle plus. Bon, le Degolator a des attaques ultimes, tu vois. Degolator est fait pour l'attaque, mais malheureusement, unfortunately, il a la couleur. Couleur caca. Oh, mais ils sont nombreux, les longues, dans ces hautes herbes. Voilà son collègue. Regardez, il a encore la merde au cul. Regardez juste là, t'as l'impression qu'il a la merde au cul. Ah, tu as fait chier mon collègue qui faisait caca. Enfin, qui faisait pipi. Spatio Rift, bah allez, on s'amuse. Tiens, ferme ta gueule. Le rideau de fer. C'est ça, ouais, le rideau de fer. Ou alors c'est dans Commune Conquer. Conquer. Oui. Pardon. Mais ça va, l'homme d'Amalva, la forme? Ça faisait un petit moment, enfin ça faisait... Depuis lundi, quand t'avais pas vu. C'est cool, tu viens assez souvent, c'est bien. C'est cool. Dame Miflon, bien le bonsoir. Dame Miflon, tu vas bien? Putain, il caille d'un coup, quoi. C'était pendant la guerre froide, ok. Très bien. Béchoco. Ce n'est pas une coïncidence qu'il y ait une Béchoco alors qu'il y a Dame Miflon qui est là. Pardon. Fatigant ce moment? Je la refais pas. Je refais pas cette blague. Je la refais pas. Vous m'aurez pas comme ça. Bah moi ça va. Pareil, un peu fatigué, mais sinon ça va bien. C'était toi qui étais dans la gendarmerie et qui faisait des vêtements aussi, si je dis pas de bêtises. Colère. Je suis pas gentil. Colère, nique ta mère. Refais-la. J'ai pas d'attaque d'eau, je peux pas niquer un coup de Karcher. Ah, utilise un autre Pokémon. Au pire, capture-le, au pire. Bill Van Brock, viens me filer un coup de main. Ah, nique ta mère. Il a une CT. Il a une putain de CT. Vite. Ouais, ça va, pour la plupart des gens du chat, je me rappelle bien de qui ils sont, de ce qu'ils font. Ça va. Fous-y le feu à ce bognoule. Pardon. C'est pas vrai. Tiens. Te fais pas mal. Photocopie. Mon dieu. Il s'est loupé. Oh merde, je lui ai brûlé la teub. Oh merde. C'est pas vrai, Elite. Chut. C'est faux. Mais non. La brume ne m'attrapera pas. Tu ne m'attraperas pas. Silent Hill ne passera pas. Voilà. Je t'encule. Je t'encule, Thérèse. T'as la brume qui s'est pointée en mode Yalla Wakbar. Ça voulait rien dire. Mais j'ai fait non. M'en fous de la brume, c'est pour les PD. Pardon. Et donc, on avait tous passé une commande. Est-ce que ça avance nos commandes, Namalva? Non, c'est juste que mine de rien, les gens... Enfin, pour répondre à ta phrase, monsieur Litz... Messire Litz, pour être précis. C'est que la plupart des gens qui viennent sur le chat, je les trouve très intéressants, en fait. Et comme je vous considère comme étant mes enfants, enfin... Pas enfants non plus, mais enfin... Comme étant des personnes que j'apprécie.
C'est normal que je m'intéresse un minimum à vous, quoi. Bonjour. La brume est allergique au village. La brume. Elle brumoth. On dirait un sort d'Harry Potter. Elle brumothé. Oh. Mon dieu, pauvre Caïminus. Mais regardez. Je l'ai pas capturé. Mais... Nom d'une chaussette. Mais pourquoi donc? Mais qu'ai-je donc fait donc? Utilisons le Vambrock. Blizzard. Light. Mais oui, mais c'est ça. Le pauvre. On folie. Tiens, deviens fou, FDP. Après avoir putain, bouffé... c'est fort flingue de PD, hein. Ah bah non. Ah bah non. Hey, il a eu la totale. En fait, depuis qu'il est né, il s'est pris des murs. Il a vécu à Paris. En plus de ça, il a chopé un poids lourd dans la tête. Pas de bol. Ah, il prend pas feu, bien sûr. Mais si, qui prend feu, mais bien sûr. Fous-y le feu, Van Brock. Oui, tu as le gros lozen. Gros coq, pardon. Il est confus, en feu. Le gars, franchement, il peut pas s'en tirer. Il peut pas. Il peut pas. Bah non. Bah non. Mais non. Putain de ta mère, je t'avais demandé de monter. Oh, tant pis. Ne regrettons pas. Le regret ne fait pas avancer l'homme. Et attends le prochain métro. Un vigolote. Vigolote. Ouais, c'est ça. Flip. Sport coton. Colère. Aïe. Colère. Oh bah il est mort. Plus. Mais oui, je t'ai mis un petit gros lot, mon cher ami. Un beau nom défectueux. Régis Robert. Oh putain, la vache. Eh, la brume, ça va vite, hein, putain. Si je pouvais utiliser la capacité anti-brume, je dissiperais le brouillard. Comment marche-t-elle, cette capacité? Sur les Pokémon oiseaux ou ceux de type insecte qui battent des ailes pour disperser le brouillard? Je m'en bats les couilles. Oh. Je t'ai fait peur, hein. Le temps que tu te remettes des émotions, j'irai rapporter la victoire. Un bon gros lot. Ouais. Stacy. Ok, ça fait un peu ninja, ça va. Pour l'instant, hé, le fan club des ninjas, c'est... Le brouillard est épais, j'aime bien que c'est épais, Déflagration. Allez, bien sûr. Tiens, nique ta mère. Poil. Bit. Cul. Poil. Le brouillard est épais. Un cisaillox. Un cisaillox. Ah. Un putain de cisaillox, mon gars. Dans ça. Et bah, des bisous, monsieur Vivi. Dodo bien. Merci beaucoup d'être passé. Et puis, ben... Aide bien ta femme, alors. De Golator, non. Putain, ils ont encore eu le De Golator, j'en ai marre. Il est défectueux, le De Golator. Il va falloir qu'on le retape, hein. Et est-ce que j'ai du feu avec lui? Des bisous, monsieur Vivi. Merci beaucoup d'être passé. Sport, fais dodo. Tu m'emmerderas plus. Voilà. Des bisous, tu retourneras dormir chez ta mère. Ultra laser? Ah, elle loupé, bien sûr. Loupé. Mais touche, putain de ta mère! Et... Cage éclair. Allez, total. Lui, il loupe pas une seule fois. Hein. Par contre, moi, je loupe. Hein. Loupé. Loupé. Touché. Putain. Ah, des bisous à toi, monsieur Vivi. Ah, putain. À une prochaine, si tu repasses. Ah merde, j'étais con. Ah bah oui, j'étais très con. Pour moi, ça régénérait sa vie. J'étais très très con. Ah ok, ça marche, madame Alba. Bah repose-toi bien, alors. Et merci beaucoup d'être passé. Des bisous.
Mais il loupe son attaque, mais nique ta mère aussi, elle loupe ton attaque, putain de ta race. Lui, il loupe pas une seule de ses attaques, moi je les loupe toutes. C'est un truc de fou. Ça me pète les roustons, sérieux, touche. Touche ta mère, merci, putain. Ah mais je me fais démolir par le manque de schneck. C'est un truc de malade. Des bisous à Tom, Namalwa. Merci beaucoup d'être passé. En quoi ça fait ninja ça? Un hippopotasse. Putain la vache. Oh là là. Allez, tiens, prends ça dans ta gueule. Il meurt. Bien, il meurt bien. Bah des bisous, monsieur Arthur. Dodo bien aussi. Bon dernier jour de cours demain. Essaye de foncer dans le tas, mon cher ami. Des bisous. Dodo bien, Arthur. Un rapion. Je me rappelle plus. On aurait dit un gueule miché. Pardon. Mme Bravel, bien le bonsoir. T'as Mme Bravel, tu vas bien? Gravité. Oui. Je vais péter un joint. Le gars, il va commencer. Voilà. Buenoir. Oh, ta mère. Ah, il va se faire mal. Voilà. Il va encore se faire mal. Ah non, plus confus. Trou noir. Mais bien sûr. Allez, des bisous. Putain, sérieux. Mais c'est vrai, toi, madame Lu. Tiens, fais dodo. Voilà. Flatterie. Brave L, ok. Brave L. Ok, ça marche aussi. Ok, lui, il commence à me péter les roustons. Gun Michou. Un petit gaz toxique, ça lui fera du bien. Ça n'affecte pas. Et ma bite aussi, elle est pas affectée, putain. Ah, je le touche pas. Gicle les dos. Voilà, ça touche mieux déjà. Tiens, vas-y, nique ta mère. Voilà, des bisous, va dormir. Allez hop, ciao. Putain, il m'emmerde avec ses Pokémon. Ah, putain de sa race. À la limite, si c'était... Comment dire, Pokémon d'une manière traditionnelle, oui. Mais là, vu que c'est un Pokémon d'une manière assez schnapps, c'est très étrange. C'est drôle, mais tous les gens qui viennent là sont étonnés par les noms. Non, soyez pas étonnés. Oui. C'est lequel qui te choque le plus? C'est Jaculfeu? Ou Emasculate? C'est bien l'original. Mais c'est la classe. C'est même le classe, j'ai envie de vous dire. C'est bien, je vais te faire une blague Pokémon. Pourquoi pas? PC d'Amel Bent. Attends, je fous Emasculate. Là. Mais commence pas à te cacher derrière les gens. Dans Océan. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, c'est votre pouvoir. C'est votre pouvoir. C'est des noms très, très musclés. Très masculins. Oh non. Oh. Des noms de Kletsai. Ils veulent faire la Tetsai. Vous avez pu voir ma maman passer. Oui. Certifié. Par la WWF. C'est des noms de catcheurs mexicains. Il a une pire nuit, ouais, what the fuck. C'est vrai que j'ai pas fait attention aux Pokémon quand je les ai capturés, quels objets ils avaient. Et aujourd'hui, c'est le cas. Un tesson rouge, très bien. Un 9 chance. Mon Cresselia, mais il faudrait que je le récupère un jour. Omelette. Non, j'en veux pas de l'omelette. Avale tout. Fœtus mort. Rap à fromage, Mousclès, et voilà. Pingaï, j'avais oublié ça. Vagiclean. Love Milf, putain de Taras. Comédon, qui a la CT89, très bien. Ah, mais il faut boire le Random Bravel. Dolby Stereo. Depardieu. Dildo de rue. Aïe, la dildo de rue, ma gueule.
retirer Pokémon. Je reprends mon émasculate, bien entendu. Pikazam. Putain, Seigneur Diox. Ah, on s'amuse. Mais c'est bon, cassez-vous. Mais non, quand même. Quand même. Parlez pas de choses qui fâchent, quand même. Est-ce qu'on peut me rappeler à quel niveau le Dugolator évolue? Parce que, putain de merde, en fait. Le Dugolator, mine de rien, je suis persuadé qu'il va se transformer en tank d'assaut une fois évolué. Mais, anus qui pousse. C'est vrai qu'il y avait anus qui pousse aussi. C'était pas mal. Tu es fiereux. Ah, Litz, je ne savais pas que c'était Litzounette. Salut Litzounette. Je te trouve très chouette. Ah merde. Dildodru. Elle dildos. Si. De merde. Et la quatrième, la prophétie est vraie. Eh bah putain, je savais que je devais jouer ce soir. Oh putain. Level 38, merci Dame Coco. Un Beach Wheel, un Dardarnion. Putain, mais cette pose quoi, elle est tellement... Bah, dis-toi, Madame Bravel, que je viens de choper une Master Ball. Ça s'obtient pas comme ça, normalement. Bah, c'est la quatrième que je trouve comme ça, par terre. Par terre, elle squat. Merde. Adieu. Voilà. Pour réveiller le Dieu suprême. Alors, on en est à 5. Je les collectionne un peu. Y'a pas de soucis, Madame Coco. Gros d'air. Ah ben... Tout est la technique, tu vois, c'est... Je l'avais trouvé au pif. Oh, encore en arabe, mais... Je suis désolé. Et ouais, pour Jirishi, pour avoir encore plus de Pokémon, de Master Ball. Allez, on vire les arabes à coup de... Je zaire. Bah, j'allais dire... Le mec, il me fout le punch de sa vie, littéralement. Et le Dugolator loupe son attaque juste après. Très bien. Ouais. Il m'a foutu le punch de sa life, le gars. Aizen. Ouais, pourquoi pas. Sport coton. Très bien. Bah, déjà qu'il était pas plus rapide. Tiens, prends ça dans ta gueule. Voilà. Dracogrift. Je loupe mon attaque. Ok. C'est que dalle. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Spatio-rift. Oui, ça marche mieux. Mais non, pourquoi? Mais bien sûr, là, il le loupe pas. 34. Encore 4 niveaux à lui faire prendre à ce putain de Golator. Je... C'est pas que je le trouve pas terrible, tu vois, mais il est lent. Mais tellement lent. C'est comme si j'avais un Smirmorque, tu vois, mais que malheureusement, il arrivait pas à tracter un truc, tu vois. J'ai pas des super bonbons ou quoi. Bon, déjà... Attends, juste pour le guac, on va se marrer. Ah, il y a Vambrec pas à prendre. Griffe d'ombre. Oui. Piège de roc. Attends, mais piège de roc est génial. Bien sûr. Bien sûr. Distorsion. Ok, très bien, lapin, très bien.
On s'amuse. En fait, faudrait que... juste que je sache ce qu'il peut faire, quand même. Parce que là, j'ai pas... Il me semble que bizarre, genre, mon cher ami Van Breek peut la prendre. Il y a que Van Breek qui peut la prendre. Que de faire? Je sais pas, une petite attaque comme as? Bah non. Putain, mais le Douglator est chiant, en fait. Il est très chiant. Alors, pourquoi la va... Il me manque des CS. C'est vrai que j'ai pas flash. Ça, c'est clair que j'ai pas flash. Mais je pense pas que je dois l'avoir maintenant. Oh, quoique. J'ai éclat rock. J'ai pas force. Je n'ai pas force, c'est vrai, mais bon. Interral, limite. Je l'ai littéralement déjà. Très bien. Ça meurt. Voilà, des bisous, bonne journée. Un Bulbizarre. Ouais. Il me semble que c'est une CS, ouais. Re mon amant. Il a disparu. What the fuck, où est-il? Où est-il? Mais loupe son attaque, mais nique ta mère. Mais arrêtez de louper, putain. Sérieusement. Tiens, nique ta mère. Voilà. Don naturel. Ça devient de CT après? D'accord, ok. Très bien. Hydrocanon. Acide armure. Très bien, ouais, ta mère. Loupé. Façade. Tiens, nique ta race. Voilà. Ok, d'accord. Surf, ouais. Surf, ça va devenir une putain de bonne capacité. Mais surf, je l'ai pas encore, non. Sauf que je sais même pas si j'aurais un Pokémon qui pourrait l'apprendre. Si Van Brock, sûrement. En tant que top de CA, je dois prendre les combats avec philosophie. Je dois rester cool dans la victoire comme dans la défaite. What else? Ça va être une meuf avec un... Top dresseur London. C'est un mec, très bien. Et Caillon. C'était quoi ce bruit d'ébullition? Avec la troc, il me semble, Madame Bravel. Ce bruit. Dans le temps... Tourniqué. Bien sûr, il a une attaque flotte, bien sûr. Mais justement, en fait, si tu veux, il dégueule la bière, et hop, il vole dessus, enfin, il nage dessus. C'est dégueulasse. C'est affreux. Gonmichou, tiens. Mégacorne, Nictaras, quelle corne. Tiens, vas-y. Tiens, un peu de poison, voilà, c'est bisous. Exploforce, loupé. Exploforce. Tiens, nique ta mère. Ténèbres. Et ça touche, en plus. T'as ta race. Vampipoing. Ça ne touche pas. Ça touche. Lui il touche mais moi pas. Mais oui mais tu es complètement ultimate Van Breek. Gonmichou. Non. Attends 30 secondes. Ça fait ce vomi classe. Ah bah, eh. Nous ne sommes pas... Photocopie. Ah mon dieu. C'est un écho ténébrique. Ténébration. Allez, balance-le, tu m'emmerdes pas. Balance-le, tu ne loupes pas. Oui. Ténèbres, tu Douglator. Oui. Oui. Chope de l'XP, mon gars. Eh ouais, mon gars. Le brouillard est épais. Ouais, il est bien épais, ouais. Un écaillon. Non. Pardon. Tourniquet. Bien sûr.
J'ai rien pour attaquer, fuck. Photocopie. Mégacorne, tiens, prends ça dans ta gueule. Le Deglator. Ouais, rattaque. Tu touches, gars. Tu touches, mon gars. Allez, mon gars. Oui. Prends ça dans ta gueule. Ah non. Ah non, il est mourant. Regardez, il ne demande qu'à mourir. Fais la poule. Fais la poule. Aïe. Ah non. C'est intense. J'ai besoin de guérir le Deglator. Reviens. Oui. Ah bah oui, bien sûr. Et là, à ce moment-là, il me défonce la nuit. Photocopie. Ouais, il aime bien m'envoyer Megacorn. Ouais, tiens. Bleh. Nique ta race. Prends ça, le Pascal. Un Fogler. Un Fogler? Fogler. Fogler, tu sais quand il passe, il fait... Putain de merde. Claquoir. Ouais, c'est ça, claque-moi la gueule. Ouais, j'adore ça. Dansefleur. Ah putain, ça, ça fait mal. Survie, masculette. Survie. Oui, il survit. Il gèle pas. Oh, une petite dansefleur. Le charisme du Fogler. Fogler. Ah, loupé. Touche. Oui. That tache. C'est la moustache du swag. Zélé. Adieu. Ouais. Je l'ai défoncé, ouais. Non. On a perdu. Non. Comment oses-tu nous battre, Dégarpi Oust? Mon Godmichou is down. Le Deglator est en piteux état. Mais je dois le retaper un peu. Laissez-moi juste une journée. Qui a conquéri les océans. La seule moustache capable de traverser les océans. Grâce à son poil gracieux. Bonjour. Zoé, regarde un peu. Je vais utiliser tout ce que tu m'as appris. Voilà un dresseur. Yann, tu es prêt? Allons-y. Donc bon... Ils se donnent des petits surnoms, mais c'est pas leur vrai nom. Leur vrai nom, c'est... Nikestu. Kaorin Iliputu. Ah, que des meufs. Level 36. Oh. Ça, ça va piquer un peu. Mais oui, mais justement, on me recrute pour ça. Le néon, c'est parfaitement parfait. Tu veux la boîte à outils ultime, mon gars. Et ouais, mon gars. Tendé, par contre, ça, tu vois, sur le coup, là, je... Je le sens moyen, tu vois. Mais vraiment moyen. Voilà, j'ai gaffé, très bien. On l'a refait, mais en plus accéléré. Voilà. Blablabla. Fail. Total fail. Et c'est GG. Je voulais sauvegarder, mais j'ai chargé. Monsieur Pomme. Enfin, Monsieur Merguez. T'as Merguez, tu vas bien? Blablabla. J'ai rechargé une vieille sauvegarde. Voilà. Très très vieille. Et je voulais sauvegarder dessus en fait. Je me suis complètement vautré. Mais bien comme il faut. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai juste se retaper les trois ninjas, voilà. GG Wellplay, exactement. C'est pas grave. Je vais gagner en temps, blablabla. Mon pénis est énorme, blablabla. Oh, juste une heure. Juste une heure, voilà.
Sur bande de Belladonis, soit sans moi. Allez, va te faire reculer, voilà, nique ta mère. Je suis là. Ouais, début de la soirée, donc c'est qu'une heure, ça va, mais bon. On est blablabla, pénis, blablabla. Oh là là, mon pénis, c'est énorme, oh là là. Merde, le Picazam, merde. Ok, ta gueule. Ok, ta mère. J'ai 5 niveaux à faire reprendre au Degulator. Hein. Meurs, voilà, des bisous, bonne journée. Alors, pop. On n'a pas le temps, là, on n'a pas le temps. Allez, ferme ta gueule, voilà, blablabla. C'est ça, c'est exactement ça. Putain, mais on s'en branle, va sucer des bites en enfer, toi, voilà, blablabla. Blablabla. Potion secrète, merci. Ok, ma puce. Bah, à toutes. C'est vrai que t'as l'air pas mal occupé là ce soir. J'ai besoin de level up vite. Ok, on s'en branle, voilà, nique ta mère, voilà, des bisous. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce T-Hook ? Mon dieu. Mais mon dieu, Litz. Mais qu'est-ce que donc ? Croc fatal, mais nique ta mère. Tiens, me fais reculer, toi. Des bisous. Un flanc à vol, et dis donc, je vais t'atomiser ton cul, toi. Ah merde, fuck. Souvenir. Pardon. Ah, T-Hook dans la place. Mais T-Hook, il est tellement pas propre comme personnage. C'est pour ça que je jouais. Ah! Fouk! Suka Briat! Suka! Allez, go! Souvenir! Accélérer, c'est pas mal en fait, ça rend bien. Ma bite dans ton cul! Ça fait le dindon. Ouais, il faut la vitesse. Putain, mais la meuf, elle arrive toujours par derrière, tu sais, en mode je vais t'enculer. On dirait tellement une musique de cul quand c'est en accéléré, ça veut rien dire. Oui, t'inquiète pas. Un chaffreux. Je vais te chacrement niquer ta gueule. Griffon, moi, mais nique ta mère. Voilà, tiens, voilà, des bisous, une bonne journée, voilà. Genre, ce chaffreux, je pourrais tellement l'appeler Chippy. C'est le nom de mon chat. En fait, Chippy est un peu grosse, malheureusement. Et en fait, ben... Disons que je l'appelle mon char d'assaut. Parce qu'en fait, quand elle va bouffer, t'as vraiment l'impression qu'elle va bouffer comme un char d'assaut. La colère, ouais, nique ta mère, voilà, tu vois. Ta gueule, on s'en branle, voilà, des bisous. Un fampi. Hurle-temps. Camouflage. Et devient type plante, quel dommage. Échange, ok. Ok, nique ta mère, voilà, des bisous, une bonne journée, allez, au revoir. Voilà, 33, voilà, blablabla. Nanana. Chippy est ici. Chippy est en bas. Chippy est en train de glander dans le fauteuil de ma mère. Goopix. Attends, je te nettoie le cul. Danse fleur. Ouais, des bisous. Voilà, Fantominus, on s'en fout. Voilà, on va hurler du temps, tiens. Dynamo point. Meurs. Oui. Voilà, ça va vite. Chippy, arrête de chipper. Fossile racine. Putain, mais c'est vrai que j'ai... Les fossiles me vendent du rêve, littéralement. C'est un truc de fou, j'en ai tellement. Piton cul. Salut Gaba. Ça va Gaba, tu vas bien? Ah, il était caché. Non. Ah mais c'était bué. Punition. Punis-moi. Mais bien sûr. Mais bien sûr, mon char d'assaut, il mange. Il a besoin de se sustenter. Une béchoco. Attendez.
Il ne tient aucun objet de Golator. Ça va bien, Gaba, ça va. Par que j'ai fait de la merde, comme d'hab, mais sinon ça va. Black Volt. Non. Moi j'en ai deux. What the fuck? Vertiglu. Vertiglu. Ok, j'en ai deux des rosés âmes, très bien. Mental la capacité des types feu. Non. Vous savez ce que je vais faire? Je vais lui donner le bandeau. Non, ça va, t'arrives pas en fin de stream. C'était caché. Comme le steak, c'était caché. Alors, moi non plus, j'aime pas trop ça le café. Combien de gamelles? Il mange qu'un, tu vois, mais bon. Ok, un arabe. On le vire à coup de chasse d'eau. Voilà, tiens, voilà. On va voir l'arabe. Pardon. Pire, si je refais la même vanne, tu vois, mais je la trouve moins drôle. Minigal, très bien. Non, il faut le temps que ça touche. Ça ne touche pas, lui il touche, bien sûr. Défonce-le, merci. Voilà, des bisous. Tizayox, touche. Lui il touche nickel, tu vois, mais moi... Que de chilouille, tu vois. Il va me répéter les couilles, mais bon. Touche. Oui. Défonce. Oui. Touche. Oui. Oui, le Garol était en forme. Hippopotasse. Rafale psy, mon gars. Tiens. J'ai oublié le bruit. T'sais. Écoutez-moi bien ça. Comme ça. Rire laser d'X4000. Piou. Je suis tellement fan de ce bruit de merde. Tellement garanti. C'est Dark Léon. Ça Dark Léon, tu vas bien? Allez. Un métamorphe, dis donc. Ultra laser, tiens, je te crame ta gueule. Lumi éclat, mais what the fuck. Calmin, bordel de merde. Excusez-moi, mais c'est vrai que j'ai besoin de faire évoluer le Degolator, donc je me mêle le cul pour essayer de récupérer. Je suis à peu près exactement au même endroit que j'étais. Je peux pas faire un truc plus dégueulasse. Ça quand même. Ça craint le boudin. Après, tout dépend les endroits où tu vas. Mais d'une région à une autre, je sais que quand la chérie va venir me voir, je pense pas qu'il y aura réellement des grosses perturbations. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que j'ai sur le bout du pif, ça fait mal. Allez, Degolator, c'est parti, level up. Loupé. Il va pas mourir? Oh si, il meurt, direct. Direct, assurance. Métamorphe. Très bien. Échoue, très bien. Lumi-éclat, lui, touche, mais moi pas. J'ai oublié le... Touche, merci. Des bisous, bonne journée, voilà, on s'amuse. Tourne. Je sais pas, pour le moment il veut pas. Ah. Tiens, pour ça dans ton cul. Voilà. Petit coup de feu, je lui crame la tub, voilà, c'est parfait, 34, voilà. Métamorphe, voilà, on s'en fout. Je les explose les métamorphes, quoi, c'est une passion.
pas si automobile. Au pire, tu peux toujours demander un taxi ou un truc comme ça, non, Twilight? Non? C'est parce que c'est dans ton bled, de toute façon, c'est pas loin. Enfin, je pense. Donc, tu veux que je... m'en aille. Oh, un Dardanian. Cage éclair, bien sûr. Canon. Allez, 5 fois. C'est la base. La base, mon frère. Ah merde. D'accord. À vélo, mais bien sûr. C'est vrai que t'étais en région parisienne, en fait. C'est pour ça. Je sais bien que tu fasses quelque chose d'intéressant. Coup critique, mais oui, des bisous. Bah oui, ça touche pas. Tiens, t'es paralysé aussi. Ah bah meurs. Ah bah oui, bon. Non, casse-toi. Oh, on a niqué ta mère. Un trottinette. Un deltaplane. Un deltaplane. Ah, oh, c'est la mort pour faire level up le Degolator, putain de ta race. Un trottinette électrique. C'est vrai que tu peux y aller en volant. Ou alors tu demandes à Van Brugge de faire du surf. Ça peut peut-être t'aider. Un battant des fesses. Ouais, comme ça. Vu qu'il a souvent les fesses qui font clap clap. Bon, vous arrêtez de vous foutre de ma gueule. Ouais, j'avoue. Ça te s'emballe, putain. Eurofox. Tu lobes des oreilles. C'est pas mal. Peut-être bien, t'as vu. Mais oui. Je vois ça. J'ai besoin de motivation pour essayer de finir de level up ce putain de Golator. Il manque 3 niveaux. 3 putains de niveaux. Calmez-vous. Un tentacruel en dehors de la flotte. Qu'est-ce qu'il fout là? Putain de merde. Ça y a mettez Chan. Et il... Mur de fer. Force cachée, oui. Dans tous les cas, tu seras capturé. Super Bowl. Oui. You're mine. Jadiel, ma gueule, mais oui. Tentacruel, ses 80 tentacules lui permettent d'emprisonner ses adversaires dans un redoutable filet Vanemma. Tu vas en nager. Sur ses tentacules flagellants. Ça fait mal. Alors, comment est-ce que vous voulez que je l'appelle? Pas sur ses lobes d'oreille, mais quand même. Trouvez-moi des noms, mais vraiment. Si vous me sortez Yamete-chan, non. Non, ça a déjà été fait. Non, il me faut de l'extraordinaire. Vendez-moi du rêve. Montrez-moi que vous êtes des viewers impatients. Cassoulet. David Jones, Yamete. Yamete. Vous voulez que je rappelle Yamete? David Jones. Non, quand même. Quand même. À chaque fois que je vais devoir le mettre, il va falloir que je mette des musiques de Pirates des Caraïbes. Pénétrator. Pénétrator. Le Tentacouille, un classique. Kimochi Tsubashi. C'est vrai que je peux retourner sur le classique. Le Van Brugge a raison. Mais cassoulet quand même, bon. Violent Tentacouille. Viol collectif. Multi-pénétrator. God. Chérie, ça fait étrange de voir juste un mot que tu marques. God. Tu balachis.
Oh. Mère va dormir? Non. Mère va tisser. God a tort? Non. Viol et God. Hentai. Non, tout le monde s'y attend, tu vois, mais bon. Un osselet? Un os à tueur? Oui, on l'avait appelé MILF. Love MILF. God et viol. J'aime bien, c'est... C'est... Mais bon. Love MILF. T'inquiète. God et viol. Après une GoPro, voilà le Go viol. Ah ouais, Go viol. Tout est dit. Tout est dit. Go viol. Regarde, en plus, il a l'air impatient en mode. Hey, come here, bitch. Come here. Ah, le God Michel existe. God viol plutôt. Go viol. Bitch please. Oh hell no. Bitch please. God viol. Là il y a God Michou, maintenant il y a God viol. Ouais. 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 God vibrant. Non quand même. J'ai, je sais comment l'appeler. Je sais pas si ça va marcher. Ah, parfait. Non, alors je vais faire à l'envers. Je vais faire à l'envers. Go viol. Multibifle. Il y a de l'idée. Octomilf. What? Ok, Madame Miflon. Eh ben, à toutes. À toutes, Madame Miflon. Ah oui, c'est vrai qu'avec Merguez, vous avez un chien. Bah à la fin, t'as plus de mâchoire, je pense. Parce que t'as quand même un gars qui a réussi à déboîter la mâchoire de sa gonzesse avec une bifle. Multibifle. Oh. J'aime multibifle. Je garde. Merci, c'est grâce à vous que j'ai trouvé ce nom dégueulasse. Soyez-en fiers. Un corayon. On dirait un Kirby. On dirait un Kirby, le truc. Hurle le temps. Meurs pas. Il meurt pas. Acide. Il faut les rendre. C'est acide. Aval. What? Fracture multiple de la mâchoire à coup de tub. Oh, pardon. Acide. Ouais. Un Kirbit. Un Kirbit. Un Kirbit. Si. Essay un Kirbitos. Si. Your soul is mine. Oui. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. L'arrêt maladie. Un kirbifle. Mais non, il a pas de tentacouille. Corayon. On en trouve beaucoup dans les mers claires du sud. On dirait qu'il ne peut pas vivre en eau polluée. Mais oui, mais exactement, il a aval. Elle a eu multiples fractures dues à une multibifle. C'est une pratique courante. Hein? Kirbit. Alors, Dame Coco, je trouve que c'est parfait. C'est un CRS rose. Abef des Tonga? What? Ah.
Arrête, bah déjà, tu vois, World to Bib, vous avez fait ça comment? Je suis tombé. Ne me demandez plus la question, je suis tombé. Ah, ton fa! Mais meurs! Tink. Voilà. C'est vrai que j'étais en mode Tonga. C'est pas les Tenga, les trucs là, que les meufs se mettent dans le cul là? Micro SD. Je pense que je peux trouver ça, ma puce, ouais. Y'a moyen de trouver ça. Ryoru. Très bien. Très bien. Nous avons un Ryoru. Un Ryoru. De boule bizarre. Ah oui, moi non plus. Très bien. Machination. Ouais. Parce que c'est toi qui avais trouvé le Kirby. C'est toi qui avais trouvé le Kirby. Ah non. Oh, autant pour moi alors. Potelu. Merci, maître Potelu. Mur de fer, très bien. Très bien, booste-moi. Siphon. Un siphon, font les petites marionnettes. Mur de fer. Je fais que copier ce qu'il fait. Hein. Merde. J'ai de feu. Sport. Voilà, très bien, on a rien vu. On va bourrer à la Pokéball, hein. Bah écoute. Hyper ball, mon gars. Oui. Ça marche, ma puce. On fait ça. On fait comme ça, ma belle. Je suis un peu malade, un peu beaucoup. Excuse-moi, Dame Coco. Ryolu, Pokémon émanation. Il a la faculté unique de visualiser les émotions telles que la joie ou la colère sous forme d'onde. Bien. Alors on va faire un truc. Parce que je ne sais jamais me décider. D'accord. Mais non, fils de pute directement, mais non. C'est différent, Gaba. C'est différent. Je pense pas que toi, Ryolu, avait mur de fer. Émancipation, il me semble. Et siphon. Je pense pas qu'il avait ça comme attaque, tu vois. Il me faut... un nom. Bah écoute, pour me racheter de t'avoir emmerdé, Madame Coco, trouve-moi un nom. N'importe quoi. M'en bat la race. J'ai jamais trop utilisé Lucario. Petit bâtard, mais non. Ah mais bien sûr. Eh mais ça rajoute du challenge. Mais bien sûr, mon petit Gaba. N'importe quoi, sérieux, Madame Coco. N'importe quoi. Mais je vais pas appeler Petit Lu, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Frédéric Lu. Mais non, attends. Attends, faut bien comprendre le truc, c'est qu'il est à côté de Pokémon, du genre de Golator, Éjacule-feu... Y'a Gaol qui a un nom à peu près normal. Normal, pardon. D'autres trucs, tu vois, mais bon. Constipation. Mais non. Aval ton Lu. Très bien. Trunk pendant que tu y es. Fist. Parfait. C'est parfait. Bon, a priori, vous voulez que je mette Lu à la fin. Donc, on va l'appeler Fistolu. Fistocu.
fist au cul. Voilà, parfait. 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 Parfait, Madame Coco. Merci. C'est parfait. Ki Petrovici. Da. Ki Petrovici. Bonjour. Moi venir province assez reculée de Russie. Et toi, nique ta race, voilà, des bisous. Bueno. Osmerang. Osmerang. Os putain de meringue. Os meringue. Ah, je vais virer ultra laser, c'est pas terrible. Oui, oui, je vais faire attention. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Mais dans le jeu. Chop a boner. Écrase-la, Madame Coco. Tu l'as. Ki Petrovici. Oh. Des figolus, figolus. Ouais, c'est à bouffer, moi, il me semble. Dame Coco, lance Batmousse. De base, je voulais évoluer le Degulator. Bordel. Mon pénis qui vole, ça fait des étincelles. D'ailleurs, attends. Fistolu. Oh, la pauvre. Résumé. Il est du d'aime combattre, il mange tout de bon cœur. Avec des bons fists. Mur d'acier, il a à peine soin. Il a pas d'attaque, en fait. Il a que siphon. C'est pas terrible. Il y a un moustique qui t'embête. J'avoue, là, t'as un petit peu le duel salade tomate oignon. Non, quand même, bref. Quand même, bravel. Faut pas déconner. Non, ce serait dégueulasse, quand même. Et bon, aussi, un énorme manque de bol. Bite dans le cul. Ma bite dans le cul, oui. Il est pas là, ton copain, pour s'en occuper, hein, Madame Coco? Ma bite dans ton cul. Ah. Merci. Ah, il est à la douche, ok. Ben oui. Quand je veux avoir un Pokémon, ça vient pas, mais quand je veux pas, ça vient. C'est un tarasse. Touche. Touche. Oui. Oh putain. Ah. Bon, mine de rien, moi je suis du genre à prendre une araignée et la mettre dehors en fait, donc. Ah, des méchants mexicains. Des méchants mexicains. Je suis un peu en manque de puissance. Chier. Un métamorphe. Eh ben, je vais lui hurler de temps dans la gueule. Mais. J'allais dire, marche, passe. Merci. Chez des méchants fiches de pute. Tant t'as cruel. Bonjour. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a l'air cruel. Intimidation. Ça ne marche pas sur le Degulator. Mais bien entendu. Oh là là, je suis intimidé. Putain, ta mère, là, déjà que c'est mort. C'est la mort avec ce putain de temps, quoi. Mais... Touche. Putain de ta mère, mais... Touche. Touche. Merci. Putain de tasse. Ah, putain, oui, c'est vrai. C'est vrai que mine de rien, toi les moustiques, ils doivent te voir, ils font oh, « Putain mec, on l'approche pas !»« Putain mec, il a chez Kungu Knight !» Kungu Knight, voilà. Du poison, brûlure. Paralysie. Allez hop. Mais Nitaras, je veux l'utiliser, c'est pas... Merci.
Les baies, je les ai toujours utilisées comme ça en fait. Jamais autrement. Je sais que ça peut vraiment être un truc qui peut te sauver les miches plus d'une fois, mais... J'ai jamais utilisé les baies autrement. C'est con. Même très con en fait. Tiens, vas-y, j'accule lui la gueule, ouais, j'adore ça. Ouais, level 35 du Degolator. Très bien, alors, attendez. File. Save stat. Mettre. Save. Très bien. Marjolaine avait Moselaine, et chacun savait pourquoi. Elle avait toujours la bouche pleine, et c'était pas du nougat. Elle faisait tellement de pipe qu'elle n'était pas un brillant. Elle n'a jamais vu un type, mais des millions de derrière. Zekma! Putain, mais Taras, ça va faire comme tout à l'heure, sauf que là, c'est à l'envers. J'arrive pas à le toucher, mais lui, il arrête pas. C'est simple, quand lui, il me touche pas, moi, je le touche. Ah, voilà, parfait. Allez, des bisous, voilà. Elle faisait tellement de pipe qu'elle n'était pas en bruyère. Elle n'a jamais vu un type, mais des millions de derrière. Très bien. Claquoir, bras, direct. Direct assurance. Danse fleur. Résiste. Mais lui, il me tue alors que moi je le touche pas, quoi, sérieux. Taras la chauve. Sport. Il va y avoir du sport. Oui, je sais. Je sais bien. Mais tu vas niquer ta race, oui? Tu vas toucher? Putain de ta mère! Mais bien sûr, mais lui! Tiens, nique ta race! Nique ta mère! Changer de Pokémon! Garoul! Il y avait quoi aussi? C'est. Lucille était docile. Elle prenait mon projectile et se l'envoyait dans le mille. Lucille. Chez Margot, il faisait chaud. Je ne l'ai jamais vu que de dos, car elle préférait par le recto. Margot. Putain, j'ai que 3 tours pour le niquer. Très bien. Baston! Mais touche, putain de ta mère! Bon bah, on est mort. Allez, ciao! Remis sur Von Brock. Mais oui, mais c'est complètement dégueulasse comme chanson Payard. J'ai rien compris non plus, mais c'est pas grave. Je sais pas si j'arriverai à évoluer le Degolator aujourd'hui. On peut y arriver. Bon, fou, je continue à stream juste à ce qu'il soit évolué. Ah oui, le Kaiminus mortel. Meurt pas? Non, il meurt. Oups. Ce n'était pas efficace, putain. De toute façon, ça sert à rien de monter. Bien. Mon pénis dans le cul. Voilà, attendez. On va sauvegarder. Oui. Bah, mine de rien, ils essayent de redonner une chance à une licence qui, malheureusement, a pas très bien marché. Tu as l'air d'avoir confiance en toi, voyons si c'est justifié. Oh. Bah, les petites mamans, donne bien. Merci. N'oublie pas de faire ta liste. Oui, premier maman. J'ai dit bonne nuit. Bonne nuit, tout le monde. Oui. T'y vas quand je serai certainement à peine réveillé. Je fais midi 19 demain. Ok, ouais, t'essaieras de revenir avant que je parte. Bah, y'a pas de soucis, hein, si tu reviens après, je suis né à 19. Promis. T'inquiète pas, maman, y'a pas de soucis. Ok. Ouais, comme la dernière fois.
Bisous, petite mère. Dodo bien. Merci. Dites toujours bonne nuit. C'est super mignon. À chaque fois que je lui raconte, elle est morte de rire. Deux pardieux évolués, mon dieu. Un super pardieu. Ouais, bien sûr, je rate mon attaque. Lui, il réussit, bien sûr. Lui, il réussit toujours. Lui, il réussit toujours. Ah non. Là, je vais plus avoir de pépé. Ah. Ah, très bien. On ramène Gonmichou, t'inquiète, il va te niquer ta gueule. Gicle les dos, mon gars. Un putain de galam. Un galam. Trop cher. Tiens, je m'en fous, je te fous un gaz toxique dans ta gueule, quand même. M'en bats les couilles. M'en bats la race. Les deux par Dieu, EX. Oh. Meurs pas, t'as mis sur les culs, oui. Putain de ta mère. Lui, il touche nickel. J'arrive pas à le toucher. Ça m'horripile. C'est un truc de malade. Réellement. Nique ta mère. Ah non, ça va pas marcher. Il est déjà empoisonné, je suis débile. Voilà, putain. Brouillard et TP. Ouais. Changer de Pokémon. J'ai pas un autre Pokémon qui a des attaques flottes. Bah non, j'ai une attaque plante, il me semble. Ouais. Normalement, ça devrait le faire. Touche. Touche ta mère. Merci. Oui, il est mort. Mais 80% de mes attaques, non. Pas toutes. La plupart des attaques que j'utilise ont un minimum quand même de toucher. Mais c'est pour ça, malheureusement, avec le brouillard, c'est juste atroce. Par contre, en face, le mec me lance pareil. Lui, il a une précision de merde. Mais lui, il arrive à me toucher. C'est ça surtout qui m'horripile, tu vois. C'est le côté coucou, je suis une IA, je suis plus balèze. Ok, lui, il va péter un joint. C'est vrai que c'est toujours ça. Mais y a pas de soucis, ma mère elle a un bon humour. Par rapport à ça, ça va. Lucina, faut qu'on se fasse bien voir aussi, t'imagines. Vitesse extrême. Oh. La réputation, tout ça, tout ça. Est-ce que vous savez que je parle à ma maman de ce que je fais le soir? Meurs. Oui. Oui. Voilà. Ok, j'ai même pas vu son nom, limite je m'en bats les couilles en fait. Oh, il y a un ninja. Un ninja connaît pas la technique, comme celle-ci, celle-là. Mais c'est ça Bravel, mais mine de rien le chat l'a super bien accueilli, c'est ça que j'aime bien. Mine de rien, c'est-à-dire il y a tout le chat qui te dit bonne nuit, elle fait bonne nuit les copains. C'est vachement mignon. C'est un Pokémon flotte, mais dans la version random, ils n'ont peut-être pas d'attaque flotte, mais la plupart du temps ils en ont une, donc on switch. Morsure, très bien. Heureux, Dame Miflon. Heureux. Rafale Psy. Rate son attaque. Il va toucher. Méga corne. Avec quelle corne? Avec quel putain de corne? Bah, j'aimerais bien les niquer, mais bon. Mais elle est mignonne, ouais. Enfin, tout dépend le moment, elle peut être. Assez pète couille par moment. C'est de maman. J'adore ce bruit, t'es le. Je suis désolé, je l'ai déjà dit, mais juste ça me vend du rêve, le. Tiens, prends ça dans ta gueule. Ouais. Ninja fan Cristiano. Mes techniques ninja n'ont pas fonctionné. Parce que t'es un peu un gamin. C'est un peu de la merde. Oh. Von Brock. La corne de licorne, oui. Séisme. Putain, c'est une attaque juste godlike. Il faut que quelqu'un l'ait. Séisme, mon gars. Je sais pas si tu l'obtiens là, mais... C'est juste parfait. Ah, aucun ne peut la prendre. Ah. Allez, un karatéka gay.
Ouais, voilà. Alors, les karatékas, la plupart du temps, ils ont toujours des noms de meufs. Mais Biscotto ne sont pas seulement là pour faire joli. Ouais. Normalement, c'est ça. Karateka Esteban. Oh, bah non, c'est Hiro. Azumarill. J'en ai marre de vos Pokémon flottes, les gars. T'sais quoi, je vais jouer pute moldavienne. Vraiment, pute moldavienne, mon gars. Voilà. Hurle-t-on. Ah mais Yu-Gi-Oh, ça reste génial. Enfin, ça l'est, ça reste génial, tu vois. Bah ça marche. Suffit de croire en Doglador. Non, et mes muscles. Ça marche. Pas de dents morsures. Mais oui, Bravel, c'est ça l'incohérence de ce truc. De cette ROM. J'ai bien un Pokémon qui lance des droites, alors que mine de rien, il n'a pas de bras. Comment? Comment? J'ai quand même un Imagma qui utilise Hydrocanon. Comment? C'est un Pokémon de feu. Alors là, il y a un putain de ninja de mes couilles. Bah ben, bien sûr. Les ninjas ont surgi quand on s'y attend le moins. Un carapute. Carapute, il me semble pas qu'il avait de compétences de flotte quand je l'avais. Méga sensu. Ouais, si tu veux, des bisous. Bah vas-y, utilise des compétences. Hydroblast. Hydro, putain de blast. Nique ta mère. Nique ta race. Putain. Pourquoi il avait Hydroblast? Putain. Rate son attaque. Hydroblast. Nique ta mère. Fais des bisous. Voilà. Simularbre. Coup critique. Aïe. Patience. Tiens, nique ta mère. Voilà, des bisous. Allez hop. Ouais, pire plante, ouais, ok. Là, ça va. C'est à peu près cohérent, tu vois, ça va. Pour ton menton, ça va. Pour ton menton, ça va. Mais nique ta race, moi, je veux pas aller par là. Qu'est-ce qui me bloque, là? Ah, c'est peut-être le bout. C'est vrai. Pokémon, enfin... Pikachu avec Surf, je me rappelle que je l'avais eu avec Pokémon version jaune. Tu l'obtiens quand t'as Pikachu level 99, il me semble. Je me rappelle que je l'avais eu. Il me semble que tu pouvais l'obtenir. C'était vachement pratique, putain. Je vais t'enseigner les charmes des Pokémon oiseaux. Une meuf avec un manga? Ta gueule, c'est magique, non? Ouais, plus ou moins. Ornithologue Véronica. Mon dieu, c'est bien. Granivole. Ça vole. Ça passe, ça vole. Spatio-rift. Trompette. Non, Granivole qui a trompette. Ah non, il a quand même d'autres attaques, ça va. Mais touche, putain de ta race. Osmorong, m'en bat la race. Bah oui, ils volent, lol. On a ta race, voilà, ça s'est fait, nice. Trio Picker. C'est l'inverse de ce qu'elle devrait avoir, très bien. Un Trio Picker, pardon, plus rapide que... Un Draco... Enfin... Mais... Ah, je crie, là. Putain de ta race. Je veux juste un centre Pokémon. Mes Pokémon sont mourants, là. Ah, putain, un petit vieux, allez, c'est la fête. Comme bien j'ai décidé, je combats contre toi sur mon dernier. Après, je prends ma retraite. Vénérable Scarlet. C'est un gars. Ah. Un Colomar. Mon dieu. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir, bordel de merde?
Eh ben, je vais essayer de me les faire au garrot là, mais bon. Rayon signal, ouais, des bisous. Oh, Van Breuk, attends, Van Breuk peut me faire des miracles encore. Hein. Onde folie. Oh, allez, bien sûr, et tu touches pas. Onde folie, voilà. Il fait de la gonflette, très bien, parfait. On voulait foutre le feu. Voilà. Il se gonfle, très bien. Éclate rock. Allez, Van Breuk! Au moins du rêve, mon cher ami! Défonce-le! Allez, Van Breuk! Allez, mon vieux! Ah, c'est pas grave! C'est pas grave, t'es au-dessus de ça, mon gars! Oui! Le Van Breuk! Un Onyx! On s'en bat les couilles! Van Breuk n'a pas peur! Il nique les gros trucs comme ça! Il s'en bat la race! Onyx ennemi est confus, bordel! Un Van Breuk! Mais qu'est-ce qu'il fout là? Bordel de merde! Berceuse! T'imagines le truc Onyx quoi! Le truc gigantesque qui veut te caler une berceuse! Fais doudou, cola mon petit frère! Mais t'en as ton troisième mon gars! Troisième! Volant et surfer. Ah d'accord. Ok. Éclate rock mon gars. Oh. Allez Van Breuk. Allez mon cher. Allez go. Onde folie. Non ça marche pas putain. Explode Force, mon gars, t'as le brouillard avec toi, là. T'es en train de me faire... Je touche du singe, hein. T'es en train de me faire un miracle. Tu es en train de réaliser le rêve d'une génération. Oh. Absolutely, I'm a nerd. Welcome to you, Musou. Musou? Musou, eh? Mais tu restores tes PV mais en mode easy, t'es. T'en as encore un dernier, t'inquiète mon gars. Ouais. Oh non. Oh t'as survécu, putain t'es un champion. Oh Van Breuk, tu t'es tapé un Onyx. De 5 niveaux supérieurs. T'es un champion. T'es un champion mon gars. Je l'ai toujours dit. Fous-lui le feu, tu vois. Vas-y. Pff, t'as mal au crâne, maintenant t'as mal aux couilles. Merde. Fous-lui le feu. Oh, il veut pas. Où toutes tes attaques passent. C'est juste parfait. Ah non. Ah non. Non, Van Breuk, non. Non. Que? Il t'a viré. C'est le Garol qui fait le boulot maintenant, mais bon. Mais tu m'emmerdes. De toute façon, il m'en reste que deux. Donc le Van Breuk revient. Pour niquer ta race. Ah, les picots. Hein. Ouais, tu niques sa défense. Allez, tu survis, mon gars. Oui, tu survis. Allez, tu survis. Non, F9. Tu prends moins normalement. Ouais. Non. Ah, Van Breuk, je suis désolé. Tu aurais fait un boulot sensationnel. C'était beau. Merci, Van Breuk. Tu as fait tout ce qu'un dresseur aurait voulu d'un Pokémon. Merci, Van Breuk. Hey, salut Empereur. Ça va Empereur, tu vas bien? Touche, Garol, touche, touche. Voilà. Adieu.
un mode méga évolué, tu sais, tu tends la bière, il fait... J'ai perdu, mais la passion du combat s'est emparée de moi. C'est beau. C'est beau. Merci, Van Brock. Merci, man. Thanks, man. Oh, on est en vie, là. On est en vie. On est en putain de vie. Oh, putain. Oh, putain, t'es champion. Oh, putain. J'ai traversé une zone vachement chaud. Deux. Et c'est Van Brock qui nous a tous sauvés. Le Van Brock. Ah mais... Putain de sarrasse quoi. Sérieusement, cette zone a été une tuerie pour mes Pokémon. Vraiment. Pikachu. Van Brock. Ouais, bah oui, complètement, là. Je suis complètement plus loin, là. Bien sûr. Ah, non. Ah, non, c'était chez les plots, là, le Raichu. C'était le tonf qu'il avait fait. Pas moi. Ce serait bien que tu... Filme-moi un Pokémon. Bordel de merde. Come on. Mais t'arraches la pute, y'a pas un seul Pokémon. Farmer les springs. Spring. Spring. Alors, très grande question de comment... Oh. Il a du bon shit de sa mère. La chasse au shiny. Plus tard. Plus tard, là pour l'instant j'ai vraiment pas l'envie. Je t'avouerai que... J'ai absolument pas l'envie de m'y lancer, vraiment. Pour l'instant, laisse-moi au moins level up un peu, ce serait sympa. Comment je descends? J'ai pas la possibilité de descendre, what the fuck? Je peux pas descendre. Bulbizaïr. Oui, tiens, des bisous. Blah. Bleh. Il est 36. Le Dugolator est 36. Bordel de merde, il manque plus que deux niveaux. Encore un arabe. Vite, il faut utiliser le Karcher. Pff. Bordel, il en reste encore. Pff. Oui. Oui, plus que deux niveaux. Oui. 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 Fiez-moi un truc, genre une route ou quoi, juste à côté. Ouais, parfait. Parfait, mon gars. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Ah, je l'ai déjà. Siphon, aïe. Aïe. Voilà, des bisous, une bonne journée. Yep. Ah putain, y'a que ça. Attends. Poudre vite. Pique, pique, pique. Attends, est-ce que ça booste la vitesse? Si ça booste la vitesse, je file ça au Dugolator. Direct. Un métamorphe. Très bien, c'est la mienne. Non, je m'en fous pas, métamorphe. M'en bats les couilles. M'en bats la race, frère. Putain, c'est... C'est les hautes airs de Rio, lui, pété. La putain de sa race. Putain, encore un. Sérieusement, c'est les hautes herbes au Riolu. C'est un truc de fou. T'as que Karcher. Putain, sérieusement. Là, il touche pas. Encore un. Oh. Oh. Un furisson. Oh, oh. La Tessie des Riolu. Girobale. Ça, ça fait pas si mal que ça. Un furisson. Qu'est-ce qu'il fout là?
Vas-y, ça lui fait pas mal normalement. Eh, j'avoue, faudrait que je foute. It's gonna be a montage. J'ai ma team de bras cassés pour capturer. Mais il se soigne en plus. Mais ta mère la chauve. Dracogriffe, il fait pas mal. Il a que dalle en vitesse mon Pokémon. Il me lance un petit coup de colère et moi je t'arrête. Et oui mon gars. Et ouais. Et ouais mon gars. Et ouais mon gars. Eh bien. Your soul is mine. Oui. 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 Pardon. Ah bah merci Dieu, c'est Lord. Et coucou Lord. Ça va Lord, tu vas bien? La forme Lordounet? D'accord. Bon, on trouvera ma puce. On trouvera une anime. Niaouz. Niaouz. Furisson, Pokémon volcan. La chaleur de ses flammes intimide l'ennemi. Elle s'intensifie lorsqu'il se prépare à combattre. Ah, elles sont pas très belles, ouais, les Super Balls. Les Hyper Balls sont mieux, mais bon. Tu déménages demain? Oh, ça va, pas trop... Pas trop peur? Pas trop les boules, Lord? Bien, il me faut un nom. Il me faut un nom pour cette atrocité. C'est dit coucou, mon frère? Oui. Ok, ouais, ça devrait faire. Où est Adopi? Parti dormir, je pense. Parti avec le respect. Alors, comment est-ce que je renomme ce ferrisson? Ah, mais Lord s'est complètement trompé, je suis d'accord avec toi, As. Kaira. D'accord, ma puce, ok, je vois. Gypsy King. Enised. Ah non, c'est un mal. Enisedit. Enisida. Auschwitz. Auschwitz, bébé. Auschwitz. Parfait. Je kiffe. C'est dégueulasse à souhait. Gambas hardcore. Si. Muchos. Muchos gambas. Auschwitz. Feugerisson. Bah justement, Auschwitz, c'est parfait. Bah bienvenue à vous, à ces Rosa. Bienvenue à vous. Putain, comment on écrit Auschwitz, j'ai oublié. C'est S. C'est Auschwitz. Auschwitz. Parfait. Parfait. Ah non, pourquoi j'aurais dû l'appeler Dracofeuge? J'ai que feu, il est parfait. Ah, mais c'est vraiment la Tessie des Riolus, c'est un truc de fou. Ça marche aussi, ouais. Oh, un ferrisson. Bon, bah, photocopie. Colère, très bien. Barbuck. Ça fait tellement penser à la musique de cette gecko, Barbuck. Voilà l'été, voilà l'été, toujours l'été. Bonjour messieurs, bienvenue dans mon magasin. Bah merci du follow, As. De quel surnom tu parles, As? Celui de Siem? Barbecue. As. Attends. En tant que bouffon, j'aime avoir dans mon équipe des Pokémon qui sortent de l'ordinaire. Tu veux que je te montre? Oui. Ok, comment va-t-on s'y prendre? C'est si on faisait dans Fantastique. Rosario fan, l'habitude. Ah. Bouffon en toilette. Parfait. Un gros doudou. Ah, c'est fantastique. Rosario... Quand même.
Hurle le temps, hein, très bien. Tourniquet, oui, si tu veux. Toujours un petit combat dans les centres Pokémon, c'est la base. Vas-y, nique ta mère, des bisous, au revoir. J'ai pas vu. Un persian, très bien. Ok. Constriction, direct. Bonjour, monsieur, Balek. Bienvenue dans mon magasin. Bah, merci du follow. Merci du follow, Rosa. Et bienvenue à vous deux, hein. Bienvenue à vous deux. T'as un préféré? C'est-à-dire Brazel. Ça veut dire qu'Auschwitz? Tu connais pas Auschwitz? Non, sérieux, c'est pour rire. Tu connais vraiment pas Auschwitz? Mini 6! Bah, ça va même faire. Constriction va me faire mal? Non, non. Dans une ambulance, ouais, c'est sûr. Ou alors cracher ta voiture chez un garagiste. C'est sûr que c'est plus pratique. Non, moi. Tu connais vraiment pas? Auschwitz, c'était pour la Seconde Guerre mondiale. Auschwitz, c'était le camp de concentration où il y a eu le plus de morts. Voilà. Et Auschwitz, en fait, c'était vraiment dégueulasse. D'accord. Melofé baisse Pokémon. C'est à côté de la plaque, mais en français, on dit Pierrot le clown. Ok, t'as bien. Ouais, en gros, c'est pour ça que... Comme il disait qu'il brûlait les juifs, bah, Auschwitz, voilà, c'est... Ziclombé. Tu peux l'appeler Anthrax aussi. Contemple la puissance du Hurlevent. Ah non. Ah non. Non. Hurlevent, non, c'est pour les PD. C'était les camps de concentration. Un Noirfang. Très bien, toujours en train de loucher. Oui, pas de soucis. Aïe. Ferme ta gueule, Noirfang, des bisous. Allez hop. Oh la vache. Sérieusement, en plus. Ouais, c'est stylé. Eh oui, il s'appelle Antoinette, ensuite Pierrot, voilà. Oh oui, c'est vrai, il a le bandeau. Il tient bon. Il tient bon, ce fils de pute. Ouais, on a trouvé le dégueulateur ultime. Des bisous, madame As. Madame Init, voilà. Asinit, voilà, si tu préfères. Des bisous à toi, merci beaucoup d'être passé. Donne bien. Moi, ignoble, jamais. Jamais, jamais. Plus un à tous les Pokémon. Franchement, chérie, je sais pas comment j'aurais réagi si j'avais vu un mec qui avait survécu au JIT. J'aurais dit ça va, les fours, c'était pas trop chaud. J'aurais sorti des phrases dégueulasses. Attends, si tu as des noms de Pokémon, au début, on a deux Depardieu quand même, les gars. Hein. Dégueulanus, Kenocorn, Pudplug, Fukushima, Serlesboul, ouais. Pute du coin. Assis, Nitzed. Ce sera assis. Voilà. Allez, des bisous, assis. Lemmy Wings, Nigel, Edward. Pourquoi je l'avais appelé Edward? Je sais plus. Godelise, Mou Alpha, Cockshit, Famille de Crad, Papoutine, Barloche, je l'avais pas renommé. Zblé, Spookeeper, Groupama. Groupama, j'avais oublié, putain de merde. À foutre, Carlos, bouche à pipe, Sasusex, couille, oui c'est une couille, Clitas, Fallout 4, ah oui putain on avait déliré là-dessus, Anus qui pousse bien sûr, grosse pute, et tournante, on l'avait appelé Cookie, c'est vrai, Dildo Dru, voilà. Bah c'est vrai que c'est pas nécessairement compliqué comme pseudo, faut pas dire ça non plus. Edward, oui, c'est vrai. Edward comme dans Toilette. Un psychocrank. Oh non, j'ai pas envie de le capturer, lui. Je lui défonce sa race. T'es enculé avec tes picots, FDP. Salope. Oh. 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 C'est une attaque de merde.
hydrocanon sur un sablette. Tu m'étonnes que je l'ai démonté. J'adore les sablettes. Le tournant devant du rêve. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est un humour dégueulasse, ça c'est clair, c'est sûr et certain, oui. J'ai jamais manqué de respect, au contraire, mine de rien, c'est des vétérans de guerre, enfin. Dans ta fosse. Ah bon, Fox, je savais pas que t'avais une fosse à juifs. Presque, presque, presque. Ah, m'en fous des réolus, je m'en bats les couilles. C'est vrai que c'est pour essayer de sensibiliser, tu vois, mais bon. Quand tu vois que t'avais des mecs du genre Furisson, qui expliquaient quand même que, mine de rien, les chambres à gaz n'existaient pas, je pense pas que c'est nécessairement le bon Pokémon pour s'occuper de lui. Mon cher Van Brock, je te laisse t'en occuper. Onde vide. Onde folie. Oui, c'est sûr. Fous-y le feu, mon gars. Il te coupe. Non mais en fait le couple mon petit mon cher ami Van Brock, tu le fais on dirait que tu lui claques le cul tu vois plein. Ça t'a rien fait. C'est en mode tu regardes tu fais ouais si tu veux. Sablette fait partie de mes Pokémon préférés. Allez, come over here, bitch. Oui. Une fausse sceptique, mon dieu, tu viens de comparer quand même des juifs à de la merde, c'est pas bien. Ah oui, non, ça c'est de glace. Sablette, Pokémon souris, il vit dans des terres arides, épargné par la pluie. Il se roule en boule pour se protéger. Ouais. Je kiffe les Sablettes. J'adore Sablero. J'adore l'évolution de Sablero. Sablette. Mais Van Brock, c'est mon pro-captureur. Il a pas fait un choix. What, c'est pas possible. 50 nuances de bibine. 50 nuances de pastis. D'ailleurs, dans les règles pour la Japan Expo, parce que pour les gens qui le savent pas, on va faire la Japan Expo avec la chérie chérie, on va en profiter pour essayer de vous voir. Eh bien, on est limité à des bouteilles d'eau en 50 centilitres. L'alcool est interdit. Donc bon, boule de disco. Ouais. Attends, je vais l'appeler Disco Dance. Disco Dance, Disco Dance. Disco Dance. À claque-fesse. Claque-fesse. Oui, s'il te plaît. Je peux faire ça, oui. Bah voilà, je trouve ça stupide. Je trouve ça stupide. Donc bon. Je pense qu'on peut... T'inquiète. T'inquiète. Pour ça, j'ai ma petite idée pour le pastis, mais... Ça va être space à faire, mais bon. Ça va se faire. Grand-maman. Grand-maman, les enfants. Affûtage. Est-ce qu'il faut que j'affûte... Est-ce qu'il faut que j'affûte ce Dugolator? Les angles ont augmenté son attaque. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça, c'est exactement ça, Lit. Très bien. Ouvrez les yeux. Un événement se passe! Quoi? Le Dugolator évolue? Le Dugolator évolue. Il devient... Il devient le volcaropode. Regardons ses PV. C'est de la merde. Je sais pas. C'est vrai que je sais pas du tout ça, Madame Barret. Ah voilà, il a du swag vu de dos et tout. Ah, il a de la gueule. Par contre, il est toujours aussi lent.
critique. Coup critique. Première attaque du Dugolator évolué. Le Dugolator a atteint sa forme ultime. Il est prêt à niquer des poussées. He want to fuck. Avec des couilles en menton. C'est pour montrer le swag, mon gars. C'est pour le swag, mon gars. Non, attends. Résume. Ah oui, il a des couilles au menton. Est fier de sa puissance. Aime les aliments secs. Comme il encule, hein. Alors tu pourrais... tu pourrais nous ramener le pastis, Dame Bravel. C'est pas toi l'année dernière qui devait prendre un hôtel et tout, Hitman? Ouais, l'année dernière, il me semble que t'avais dit que t'allais prendre un hôtel et tout. Voilà, j'ai réussi à évoluer le Dugolator. Je suis satisfait. Je suis heureux. Putain de merde, je suis refait. Je suis putain de refait. J'ai enfin réussi à évoluer le Dugolator. Ça fait 38 niveaux que j'attends. Ah fuck. Ça craint. Ça craint, Madame Bravel. Ah. Monsieur Pradus. Bien le bonsoir. Ça va, Pradus, tu vas bien? Bah des bisous, Dame Miflon. Donne le bien. Merci beaucoup d'être passé. J'espère que ta chienne va mieux. Alors. Je vais essayer d'évoluer un peu et j'accule feu. Voir si ça va plus vite. Si ça va plus vite, ça devrait aller, je pense. Ça va, Pradus, ça va bien. Ça va bien, on a chopé une 5ème Master Ball. Ah, elle pète. Ah merde. Ah, oh, pourquoi pas le pastis, mon dieu, Bravel, mon dieu. Mais non, c'est un sacrilège. Pourquoi pas le pastis? Pourquoi? Mon dieu. Saboulette. Spatio Rift, Osef. Mais oui, c'est trop génial. On a sauvé la Terre avec le pastis, exactement. Mais le pastis, c'est un... Mais deux fois en plus. On a sauvé la Terre deux fois. Surtout qu'ils sont revenus pour essayer de la reprendre en plus. C'est vrai qu'on l'a sauvé deux fois. Deux putains de fois. Ah oui, ah oui. Ici, tu es avec des amateurs de pastis, ma chère amie. Osmerong. Bra, bra, bra. Moi, je m'en fous, je t'envoie mon tibia. Ah, Jet 27, ça, c'est clair. Spatio Rift. Ah non! Draco Griff, ok. C'est bon, il y a une bégode, mon dieu. Papaya. Oh putain. Comme ça. Ah mais oui, il est pas 6 Ranger. Ah putain, oui. C'est vrai que t'habites en Provence, tu nous avais dit. Mon dieu. Elle est sur la terre promise. C'est une enfant sauvée des dieux. Ah, la Pastis Ranger. Est-ce que vous voulez revoir ce sublime générique que j'avais fait? Que je n'assume pas de foutre sur YouTube. Est-ce que vous voulez le revoir? Est-ce que je n'assume toujours pas d'avoir fait cette merde? C'est con, mais... Je l'assume toujours pas. Elle est sur YouTube, mais pas publiée. Oui, très bien. Oh mon... Je re-sauvegarde. Je finirai là-dessus, le stream. Oh putain. Oh mon dieu.
Ce générique que j'ai fait à la piste qui m'a pris combien de temps à faire? M'a pris tellement de temps à faire. Save, hein? Save. Je vais foutre sur le solo, tiens. Où est-ce que j'ai bien pu foutre ça sur mon DD? Est-ce qu'il y est? Nope. Oh, attendez. Astis Ranger. Ah bah, hé. Hey. C'est une révélation. Normalement... Elle y est toujours. Elle y est toujours. Je l'ai... Je n'arrive pas, dans ma tête, à me dire, vas-y, publie ça sur ta page. La bonne époque, ouais. Faudrait que je refasse au moins XCOM 1. Il était bien comme jeu, mine de rien. C'est con, mais XCOM 1 n'avait plus. Le 2, un peu moins, tu vois. C'était trop difficile pour ce que c'était, en fait. Genre, le psy, c'était juste parfait, tu vois, mais... Dans le 2, là, c'est... Je sais pas, tu sentais que c'était vraiment un feature. It was a feature. Ok, vas-y, c'est parti. Avec Monsieur Propre. Hey, Monsieur Propre, il a niqué des gens avant de mourir. Je ferme ma gueule, comme ça vous pouvez entendre ça d'une manière assez crue. Que la liberté est douce après 10 000 ans de captivité. Je vais enfin pouvoir conquérir la Terre. Alpha, Vita s'est échappé. Pour lutter contre elle, il nous faut des jeunes courageux et forts. Pastis. 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 Ah oh, putain de merde, j'ai oublié ce final. Ah oh, j'ai oublié ce final, j'étais refait. Je sais pas si vous vous rappelez de la scène aussi, où genre il y avait le vaisseau qui s'était fait niquer, et en fait... Vous étiez dehors en train de protéger tout le monde, puis là t'as un gars putain, qui se pointe. Putain, c'est pas un flingue de PD, là. Et que t'avais un type qui se pointe, tu sais, et qui voulait rentrer. Et là t'as le mec qui fait, ouais, je vous envoie des troupes. Puis là t'as le général, mon gars, qui se pointe, qui fait, tu fais quoi là? OS le gars, tu fais quoi? Allez les gars, allez-y, moi je m'en occupe. C'était juste génial, putain. Ouais, XCOM c'était. C'était bien, franchement. J'avais bien kiffé. Faudra que je refasse, tiens. Ça pourrait être sympa. Vous voyez que je la publie, sérieusement. Tu vas plus dormir cette nuit, pourquoi? À cause de la moustache. Mais il est génial. Quatman. Putain. Quatman. Putain de merde. Attends, je pense que j'ai encore les... Non, je les ai plus. Non, j'avais fait un vide il y a pas longtemps. Putain, mais... Ah, mais XCOM 2, sincèrement, ça a été des fous rires tout le long. Tout le long. Vous voyez que j'ai... Enfin, allez, vas-y, je vais publier, ok. Je vais publier une vidéo et... C'est vrai que j'ai pas publié. Ok. Ce qu'il rate. Ouais, mais enfin. Quand même, j'ai pas envie de ramener trop de monde, tu vois. Après, j'ai peur de... De moins gérer, tu vois. Parce que mine de rien, s'il y a pratiquement 500 personnes qui viennent, ça va être un peu la mort, ça va être un peu la hache. Je vais pas vous la remettre. Non, je vous la remets pas. Je vais pas vous la remettre. Et je l'ai appelé XCOM dans ton cul. Ça marche bien. Je vais marquer générique
Pastis Ranger. Voilà, parfait. Il y a même l'aperçu parfait. Après un retour des envahisseurs du pastis, le commandant ayant été capturé suite au décès de notre créateur officiel Litz, a été capturé attendez, 30 secondes, hein, excusez-moi, je peux pas trop lire ce que vous marquez, afin d'obtenir la recette miracle. Grâce à l'aide des survivants de son escouade, escouade, la team est refaite avec un Litz ressuscité grâce au pastis de synthèse afin de montrer à ses envahisseurs le pouvoir du terre-terre, le pouvoir du porc. Attends, le pouvoir du porc et du Ricard, non, et du pastis. Alors attends, il faut que je marque quoi? Il faut que je marque pastis, ranger, litz, miflon, bien sûr, Van Brock, wet, man. Ok. Ce descriptif de vidéo, je suis persuadé que si t'as des mecs qui vont voir cette vidéo au pif sur YouTube, les mecs vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire chelou. Oh, XCOM 2. Hop. Et j'ai oublié quoi? Ricard Debrun. Voilà, parfait. Parfait. C'est parfait. Voilà. Ouais, j'ai des modos pour ça, ouais, c'est vrai. J'ai presque chialé, t'inquiète pas. Ah. Honneur César. Parfait. Ah putain, mais Mike, oh, mon dieu Mike. Mike et la malédiction des voitures. Il y a eu le Mac 3. Le Mac 3 a survécu. Et la Peugeot 404. Ok, normalement elle est publiée. Attends, normalement c'est good. Ajouter une playlist, mais je vais même pas l'ajouter à une playlist. Je peux même pas dire l'ajouter quelque part en fait. Publier. Putain, je publie cette dupe qui m'a pris 6 heures de mon temps. Publier. Est-ce qu'elle est mise en avant? Déjà. C'est ça le truc en fait, c'est que j'ai pas envie qu'elle soit mise en avant. Ouais, elle est mise en avant, ok, c'est bon. On s'amuse. On s'amuse. De l'amusement, du fun. Hop. Certaines modifications n'ont pas été apportées. Et ta bite aussi n'a pas été apportée, connard. Et voilà. Ah mais oui, Miflon avait le flingue de Dirty Henry. Mais bien sûr. Miflon, le flingue de Dirty Henry que Van Breuk lui avait donné. Du Porto. Mais franchement, mine de rien, ça fait un scénar. Putain, hey, vous voulez vraiment que je l'assume, hein? Pouce bleu direct. Direct. Voilà, un monteur de qualité.
un monteur fou pour une qualité. Voilà. Donc bon, écoutez, c'est sur ce grand moment de solitude de ma part que je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Donc ouais, vous retrouverez cette vidéo demain, je pense. Je l'enverrai demain. Non, je pense que je vais envoyer le BA demain. Voilà. Donc bon, portez-vous bien. À demain. Ouais, demain, on est vendredi. Ouais, demain, j'ai le bien. Ouais. Ça va pour le faire. Bon, des bisous. Portez-vous bien. À demain. Et... Je sais pas, je verrai bien. Je verrai bien. Franchement, Vambon, que tu fous sur le bourrou. Fous-le sur le bourrou. Fais-toi plaisir. Allez, des bisous, les enfants. Portez-vous bien. À demain. Et j'ai envie de dire pastis et fierté.